J'espère que vous allez bien, les frérots, tous ceux qui sont sub, tous ceux qui sont sur la chaîne YouTube Michou Rediff. J'espère que vous allez bien, les gars. Pour l'instant, je parle qu'à vous parce que je viens de lancer le stream. Il y a personne, il y a son père dans le chat. On va découvrir un nouveau jeu ce soir. Ça va être cool. Ça va être cool, frérot. Oh, le chat, vous êtes où, les frères? Le chat, yo, ça y est, ça arrive, let's go. Yo, 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 Skies, yo. Bah, Safi, yo Milou, yo M8, yo Solari, yo les frérots. Ça dit quoi les gars? Je suis sous petit Yeti là. Eh les Mister Freeze, mais c'est trop bon ça hein. C'est une dinguerie comment c'est bon. Oh là. Oh la notif elle est partie là. Oh la notif elle est partie, ça dit quoi les gars? Vous allez bien le chat? Yo yo yo, ça dit quoi les gars? Tranquillement, vous allez bien? Faut changer le titre. Ah j'ai pas changé le titre. Si, j'ai changé le titre, les gars. Merde. Merde. C'est bon. Normalement, le titre vient d'être changé. Merde. J'avais pas changé le titre. Alors, attendez, parce que du coup, tous ceux qui ont cliqué sur la notif en mode live cuisine avec Elsa, les refs, c'est pas un live cuisine. Je tiens à vous prévenir. Je suis désolé, les gars. Oh là là, j'ai plus que le jus du Mister Freeze, c'est incroyable. Live cuisine, non, non. Les gars, le live cuisine, c'était hier, hein, le chat. Alors, on se barre. Comment ça, vous vous barrez? Attendez, ça veut dire quoi, ça, les gars? Bon, jugez pas mon outfit, les frérots. J'ai le seum de m'être levé. Vous avez vu, mon outfit, il est catastrophique. Ça va faire des michous. Les frérots, aujourd'hui, ce soir, on va découvrir un nouveau jeu. J'ai jamais joué, j'ai pas regardé non plus de rediff ou quoi, mais juste j'en ai entendu parler, on me l'a conseillé, on m'a dit Michou, ce jeu c'est un jeu trop bien, en plus à jouer en live c'est cool parce que c'est un jeu de choix, donc ça va être cool, on va essayer de faire les bons choix les gars avec le chat. Je pense que ça va être bien. Le titre, normalement le titre c'est bon, hein. Normalement le titre les gars... Si vous allez sur Twitch, là, le titre, normalement, je l'ai changé et ça devrait être bon. Hein. Attendez. Michou. Michou, il va falloir faire les bons choix. Venez m'aider. Et bah voilà. Et bah c'est le bon titre. C'est le bon titre, les gars. Michou, c'est un Oompa Loompa. Comment ça, mon gars? Mais c'est quoi, les gars, c'est quoi un Oompa Loompa? Joue à Palworld. C'est quoi Palworld? Je connais pas du tout. Palworld. Pourquoi on spam Palworld? Je connais pas. C'est la notif, ouais, la notif, j'ai pas pu la changer. Oh, Flamby, ça dit quoi, Flamby? Le GOAT, ça va ou quoi, Flamby? Mais en fait, Flamby, t'es mon viewer numéro 1. Hein. Flamby, les gars, dès que je lance un stream, il est là. Hein. Ça me fait plaisir, frérot. Ah, mais il a vu la notif, live cuisine. Non, Flamby, les gars, Flamby, pas live cuisine aujourd'hui. Hein. Désolé, mon ref. Désolé. Ah, il va quitter le live. Hein. Il va quitter le live. Dur, dur. La notif, elle a changé. Ok, bah, normalement, c'est bon, alors. Palworld, c'est le nouveau jeu style Pokémon. Quoi? C'est le nouveau jeu Pokémon, Palworld? Attendez, 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 mais j'en aurais entendu parler. Palworld. Palworld. Oh! Mes frères! Mais attendez, 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 les gars, je vous montre. Mais gros! Mais on dirait vraiment Pokémon! Attendez. Frérot? C'est quoi cette dinguerie? Palworld. Mais ça a l'air... C'est bon, j'ai envie. Wesh, mais c'est Philali, ça. Mais attends. Pourquoi il a un gun? Mais wesh. Attends, attends, je pète un plomb. C'est un gun, ça? Il a une arme. Wesh. C'est des Pokémon avec des guns. Oh, c'est le jeu du siècle. C'est le jeu du siècle. Le jeu est incroyable. Putain, je connais pas. Il vient de sortir? Mais non, bah, non, bah excusez-moi les gars, mais c'est vraiment copié Pokémon. Là, c'est un Léviator. Là, c'est du foutage de... Non, mais là, c'est du foutage de gueule. C'est vraiment une parodie de Pokémon. Hein. Oh, mais la dinguerie, mais je veux jouer à ça, frère. Mais je veux jouer à ça. Nouvelle arc Twitch, mais vraiment là, nouvelle arc Twitch débloqué là. Wesh.
Palworld. Allez, allez, c'est où? Allez, hop, Steam. Steam, allez, c'est où? Allez, prenez mon argent! C'est bon, vous m'avez eu. Je... Wow, 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 wow! Attendez. Attendez, les gars. Petite vérification. Qu'est-ce que vous avez vu? Ok, non, c'est bon, vous avez rien vu. Ok, vous avez rien vu, c'est bon. Oh, le presque leak. Oh, le presque leak. J'ai eu chaud, les gars. J'ai la goutte, là. J'ai la goutte. Mais attendez, mais je crois qu'on va changer le titre du live. Et on va pas jouer à Road 96. On va jouer à Palworld. Les refs, je vais pas vous mytho que j'ai envie de jouer. Hein. J'ai envie de jouer. Hein. Le leak était pas loin. Ouais, pas loin. Pas loin, pas loin du leak. Tu veux un sondage? Ouais, on va faire un sondage. Attendez, vous savez quoi? Pour que ça soit équitable, on va faire un sondage. Mais d'abord, trailer... Road 96. Ouais, mais ça va moins donner envie. Parce que c'est un jeu avec une histoire et tout. Bref, on va voir, les gars. C'est parti. Soit on joue au jeu que vous avez vu juste avant Palworld, soit on joue à ça. Ça a l'air pas mal aussi. C'est un autre délire. C'est un autre délire. C'est un jeu d'aventure, si j'ai bien compris, où faut faire les bons choix. Je comprends rien, c'est écrit en anglais. Sachez que même moi, j'ai pas vu le trailer. Hein. En tout cas, ça a l'air plus chill. Ça a l'air d'être un jeu chill, en vrai. Mais frérot, attends, mais je comprends pas. C'est quoi le but du jeu, là? C'est quoi ce trailer? Mais le trailer, il est éteint. Non, mais le trailer, il donne pas envie de jouer, là. Le trailer, il me donne envie de mettre mes écouteurs et d'aller me balader dans la forêt. Ah! Ah! Voilà, il y a un moment où ça dégénère. Quand même! Ok, ça a l'air pas mal non plus. Les gars, ça a l'air pas mal non plus. C'est un jeu de choix. C'est un jeu d'aventure, de choix. Faut faire les bons choix, etc. Bref, dites-moi le chat. On va faire un sondage et vous allez choisir dans le chat à quoi on joue. Est-ce qu'on joue à Palworld? Est-ce qu'on joue à Road 96? Les deux me donnent envie, hein. Je vous dis la vérité, les deux me donnent envie, il n'y a pas de mauvais choix. Donc c'est parti. Fais The Last of Us. The Last of Us, peut-être une prochaine fois les gars, peut-être une prochaine fois The Last of Us. C'est vrai que c'est un jeu à faire, j'ai jamais joué moi. On fait quoi? Oh les gars, le sondage. Oh, attendez, mais c'est serré hein. Il y a 51% Palworld, 49% Road 96. Oh là là, c'est serré! Je suis choqué! Oh bordel! Palworld, c'est mieux à plusieurs. Ah, ça joue à plusieurs Palworld! Ok. Après, au pire, on joue à Road 96 ce soir. Et les gars, Palworld, on se le garde pour plus tard. Hein. En vrai, on peut faire ça. Hein. Océane, merci pour ton sub. Merci Paul. Paul le boss, merci pour ton sub. Merci Benjamin No7YT. Merci Alicia Voca. Fipam, merci beaucoup les gars. Ah, ça vote Road 96 quand même le chat. J'ai l'impression que ça vote quand même Road 96. Ok, bah c'est ce qu'on va faire. Les gars, on va faire ce qui était prévu de base. On va jouer à Road 96. Et par contre, on vient de découvrir un nouveau jeu qui a l'air vraiment hypant. C'est Palworld, on y jouera peut-être plus tard les gars. Alors attendez, du coup si je fais ça... Et attendez, je vais péter un boulot là. Mon Steam, il veut que j'achète un jeu, mais je sais même pas quel jeu. Frérot, quand je fais Steam magasin... Vous aidez un des jeux que vous tentez d'acheter. Ah, c'est bon, ok. Road 96, je sais même pas si c'est sur Steam. Ok, c'est sur Steam. C'est bon, les gars, j'achète le jeu, j'installe le jeu et après on joue. C'est qui l'architecte qui a fait ton studio? C'est Pierre-Jean. Il s'appelle Pierre-Jean, les gars. Honnêtement, il est trop fort. Hein. Il est trop fort. C'est trop un bon et tout. Honnêtement, c'est lui qui a fait le studio de Bouzy aussi. Il a fait le studio de Le Bouzeux. Tac. Ok. J'achète le jeu. J'accepte les termes de l'accord. J'ai rien lu. Qui lit vraiment? Honnêtement, les gars. Qui a déjà lu? C'est un gage. Carrément, ça pourrait être un gage de vidéo YouTube. Tu lis les conditions générales avant d'acheter quoi que ce soit. Toute ta vie. Tout le long de ta vie, tu dois lire les conditions générales. À chaque fois.
Tu as la vidéo la plus vue de YouTube. Non, mon ref. Non, non, c'est pas moi. C'est tu confonds là avec quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Oh, non! Mais non! Les gars, j'ai un problème. J'ai un problème. Pour acheter le jeu, ça envoie un message à ma banque. Sauf que, comme je suis sur mon nouveau tel, je suis déconnecté. Et j'ai pas les identifiants. Non, c'est une blague. Me dis pas que je peux pas l'acheter, frérot. Frérot! Attendez, attendez. Je vais tenter un autre moyen. J'arrive, les gars. J'arrive. Parce que sinon, c'est la merde. Attendez. Ah bah, à tout moment, on est niqué, les gars. À tout moment, on va jouer ni à Palworld, ni à Road 96. On va lancer une game Fortnite. Oh, Non, je vous jure, j'ai envie de découvrir un nouveau jeu, là. J'aurais trop le seum. Je vous jure, j'aurais trop le seum. Alors. Tac. Ok. Eh, vous voyez pas mon écran, les gars, rassurez-moi. Faudrait peut-être que je vérifie avant de mettre mon numéro de carte, mais... Ok. Si, si. Ok. Bon, bah, faites-vous plaisir, alors, si vous voyez. En vrai, si vous voyez, faites-vous plaisir. C'est cadeau. Franchement, ça me fait plaisir, tu vois. Hop. Tac, tac, tac. Ok, magnifique. Allez, dis-moi que ça marche, s'il te plaît. Mais putain! Mais ça envoie encore un message à la banque! Mais c'est complètement con! Parce que quand tu payes, frérot, je ne comprends pas. Je paye un jeu. Il coûte 20 euros. Ça envoie un message à ma banque. Alors que dans la vie de tous les jours, avec Apple Pay, je peux payer des trucs. Ça coûte 800 euros. Et il n'y a aucune vérification. C'est pas normal, frère. Si j'achète le jeu sur mon tel. Putain, je vais devoir acheter le jeu sur mon tel avec Apple Pay, frère. C'est scandaleux. Bah désolé les gars, ça va prendre un petit peu de temps, faut que je me connecte et tout. Mais j'avais pas prévu ça, j'avoue. T'as plus de tal. Bah ouais les gars, ça y est, c'est fini frère. Pire streamer, il y a rien d'organisé. Mais les gars, c'est ça qu'on aime. Moi je vous le dis, c'est ça que j'aime. C'est ça. C'est les imprévus, on est en live, il y a des imprévus, ça prend un petit peu de temps, etc. C'est pas grave. Demande à Timout. Vous croyez que je demande à Timout? Mais jamais, et jamais il va me laisser, hein. C'est un rat, Timout, les gars. Hein. Vous savez pas, vous. Ok, normalement, là, c'est bon. Ok. Palworld, c'est mieux. Ça y est, les gars. Fin du débat. Malheureusement, le... Tous ceux qui voulaient Palworld, le chat a voté. On va jouer à Road 96, le jeu qui est prévu. Qui connaît dans le chat Road 96? Il y a du monde qui connaît, les gars? Moi. Masterclass, le jeu. Ok. Ça donne quoi, les lasagnes? Les lasagnes, les gars, elles étaient succulentes. Je vous jure, les lasagnes, un chef-d'œuvre. Ah non, les lasagnes qu'on a fait hier avec Elsa, je vous jure, c'était vraiment bon, non? Ok. Road 96. Il y a un deuxième jeu qui s'appelle Road 96 Mile Zero. Je sais pas ce que c'est. Oh non, je vais péter un plomb. Attends, mais on peut pas. Mais attendez les gars, sur Steam, on peut pas payer en Apple Pay? Frère, je vais tout casser là. On peut pas payer en Apple Pay sur Steam? PayPal, j'ai pas PayPal moi. J'ai pas PayPal. Bon, hey, je vais, c'est bon. Je vais voler la carte à Timout. Timout!
Timout! Mais il est sourd ou quoi? Timout! Timout, t'as un studio dans mon local, tu vas me filer ta carte, hein. C'est les conditions. Bien, bien, bien. La carte bleue Timout, elle est sans validation, les gars. La carte bleue, elle est sans validation. Ça veut dire je peux me faire plaisir. Je vais me régaler, les gars. Je vais me régaler. Alors, Steam. Hop, alors on va ouvrir Amazon. Voilà, iPhone 15. Les gars, vous êtes combien dans le chat, là? Qui veut des iPhones, le chat? Qui veut des iPhones? Bon, pas sûr que la carte, pas sûr que la carte passe, mais on tente. On tente. Alors attends, c'est quoi sa carte, frère? C'est quoi ça, Shine? Non, me dis pas que ça existe pas. Carte bleue. Si je mets carte bleue, ça va marcher normalement. On va pas dire non. En vrai, même moi je dis pas non. Ok. Alors les gars, les chiffres de la carte bleue de Timout, si vous voulez savoir, il y a pas mal de neufs. le mec il ligue vraiment. Ok. Tac tac tac. Et en vrai c'est un bon, hein. Franchement il m'a filé sa carte sans broncher, hein. Parfait. Allez, dis-moi que ça marche. Il semblerait que vous ayez tenté de faire de nombreux achats durant les dernières heures. Veuillez patienter avant d'essayer à nouveau. C'est une blague, mais c'est une blague! Mais c'est une blague! Mais frère! Mais Steam, mais prenez mes sous! Je vous donne de l'argent, prenez-le au moins! Mais non, gros! Instant Gaming, le jeu coûte 2 euros. Quoi? Comment? Mais attends, mais comment c'est possible? Le jeu coûte 2 euros sur Instant Gaming. Instant Gaming. Mais comment c'est possible, les gars? C'est un fake, non? Ouais, c'est vrai. Mais c'est quoi ce truc de fou? Pourquoi je connais pas? Ah, mais y a pas le war. Non, mais alors, je vais. Non, mais les gars, je vais péter mon crâne. Hein. Regardez. J'ouvre Instant Gaming. Regardez le premier truc que je vois. Hein. Bam! Palworld! Direct, comme ça! Hop là! C'est vraiment, c'est... Non mais là, c'est trop. Là, c'est la vie qui m'envoie un message. C'est la vie qui m'envoie un message, les gars, j'ai l'impression. Alors, je m'en fous. Rod... Wesh, il coûte vraiment 1,86€? Mais c'est quoi ce site? Mais c'est quoi ce site de fou? Mais les gars, comment c'est possible? Comment c'est possible, le chat? Je comprends pas. La calvasse de Miguel. Quelle calvasse? Oh! Quelle calvasse, les gars? Je vois pas de calvasse, moi. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. On est où, là? C'est le marché gris. C'est quoi, le marché gris? Eh, j'espère je soutiens pas un truc chelou, là. Nom complet. Alors, moi, je m'appelle Clément. J'ai 19 ans. Adresse. Il habite où, lui? Putain, je sais rien. Ok. Les gars, on va y arriver, hein. Je vous le dis. Numéro de carte. Alors, comme je vous disais, les 9. j'arrête cette blague. Hop. Hop. Magnifique. Titulaire de la carte. Toujours le même. Putain, mais au final... Mais les gars, mais c'est carré en vrai. Je vais lui avoir fait payer que 2 euros à Clément. Enregistrer la carte pour les prochains achats. Ah, quand même. Bon, attendez. Comment ça? 20% de TVA? Non! Les gars, j'ai 20% de TVA sur mon achat.
Je paye 2,23€ au lieu d'1,86€. Ouah, c'est trop abusé, frère. C'est trop abusé. Arnaqueur. Arnaqueur. Je me suis fait arnaquer, les gars. Putain. Je crois que c'est bon, là. Vérification de votre achat. C'est une blague. C'est une blague. Ok, bon, normalement, ça devrait être bon. Donc, les gars, hop. Je ramène la carte à Timoth et j'arrive. Les gars, je viens de négocier avec Timoth. Je viens de négocier avec Timoth. Il m'a dit c'est bon. Il m'a dit ouais, 2 euros, c'est bon, t'inquiète. Pas besoin que tu me rembourses. Yes, yes. Voilà, on joue gratuitement au jeu. Je perds pas d'argent, je ne perds pas un centime. Alors, achat terminé. Et comment on fait maintenant? Comment ça acheter? Attends. Oh, j'ai acheté là! Mais je me suis fait arnaquer là! Road 96. Mais pourquoi il me propose encore de l'acheter? Steam en stock. Ah, ça me l'a acheté sur Steam! J'ai pété un plomb. Mail, t'as reçu un code. Ah, j'ai reçu un code par mail. Ok, bien vu les gars. Ah ouais. Instant Gaming, voir ma commande. Ok. Afficher mon code. Ah, j'ai un code à mettre dans Steam. Ah, mais c'est carré les gars. Ok. Ah putain. Bon, j'ai failli... vous savez que j'ai failli montrer mon écran. C'est-à-dire là, j'aurais monté mon écran. Vous aviez le code, hein. J'étais mort. Activer un code. Comment on fait, les gars? C'est où pour mettre un code sur Steam? Montre, t'inquiète. Oui, bah ça va aller. En bas à gauche. Ah ouais, ajouter un jeu? Ajouter un produit sur Steam. Ah. Confirmer. Trop de tentatives d'activation récentes depuis ce compte ont été infructueuses. Mais là, je vais casser quelque chose. Les gars, là, je vais casser quelque chose. C'est quoi ça? Mais j'ai jamais vu ce message d'erreur de ma vie, frère. Pourquoi? Mais c'est une blague. Mais je suis... Frérot, la tête d'homme, je suis maudit. Je suis un streamer, on me chie dessus, moi. Les jeux me chient dessus, mon PC, il me chie dessus. Il y a tout qui me chie dessus. Allez-y, les gars. Maintenant, les viewers, mettez-vous-y aussi. Chiez-moi dessus. Il n'y a pas de problème. J'adore ça, la merde. Attends un peu, genre 10-15 minutes. Mais frère c'est... Oh, attends. Je quitte tout, là. Allez, hop. Tac, 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 tac. Allez, hop, je quitte tout. Je redémarre mon PC, les gars. Je m'en fous si ça cut le stream. Bon, peut-être pas non plus. Je relance Steam. Pourquoi il y a que des merdes dans le chat, là? Ça va, les emojis merdes? On vous dérange pas, les gars? Je retente. Ajouter un jeu. Ajouter un jeu. Non, attends, c'est pas ça. Activer un produit sur Steam. Trop de tentatives d'activation. Oh, j'ai le seum. Mais les gars, j'ai le seum. On va attendre. On va attendre. 10-15 minutes, normalement, on m'a dit. J'espère que c'est vraiment 10-15 minutes. Hein. On a le code. Attends, il y a quel code, là? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, le code, mec. Dommage pour toi. Bien tenté, frérot. Change de compte. J'ai pas d'autre compte Steam. Après, le temps de faire un compte et tout, ça va prendre bien du temps aussi. Hein. Rennes OM hier, incroyable, on les a détruits. Ah ouais? Il y a eu combien? C'est qui a détruit qui? À quand la suite de Little Hope? Mais j'avais fini, les gars, Little Hope.
C'était cool ça. Faudrait qu'on fasse un jeu d'horreur. Moi, les gars, j'aimerais bien faire. J'aimerais bien rejouer à Until Dawn. Until Dawn, non, j'avais jamais joué de ma vie à Until Dawn. Mais par contre, j'avais regardé à l'époque le let's play de Le Blédard, je crois, sur Until Dawn. Et le jeu est vraiment cool. J'aimerais bien y jouer parce qu'aujourd'hui, je me rappelle plus de grand-chose. Donc, j'aimerais bien y jouer. Et je crois qu'on peut y jouer avec des potes aussi à Until Dawn. Genre, tu joues à. Enfin, je sais pas, tu sais, je suis avec un pote dans le studio. On a des choix à faire, on réfléchit ensemble et tout. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Mais là déjà ça va être cool hein. Road 96 ensemble, je pense que ça va être cool. Il va falloir faire des choix, vous allez m'aider, on va essayer de faire les bons choix et tout. Ça va être bien. La suite de The Walking Dead, non, je pense pas que je vais y rejouer à The Walking Dead. Oompa Loompa. Mais arrêtez de m'appeler Oompa Loompa! Attendez, c'est qui Oompa Loompa? C'est bon. Les gars. Attendez, je vais aller sur photo. Voilà. Oompa Loompa. C'est lui? Mais vous trouvez... Mais frère! Mais les gars! Mais vous... Non, attendez, me dites pas... Mais vous dites ça parce qu'il est petit? Mais bande de chiens! Mais attendez! Vous trouvez vraiment que je retrouve un Oompa Loompa là? Mais je ressemble pas, les gars! C'est une blague! Mais c'est une blague! C'est le rouge! C'est lui? Mais je ressemble pas à ça, moi! Mais frère! Arrêtez, arrête, ça y est, ça y est, ça y est. C'est une blague! C'est. Non, mais. On est où là? Si, tu y ressembles! Fais la danse. C'est quoi la danse Oompa Loompa? Attendez, je vais tester. On va voir, on va voir, on va voir. Oompa Loompa Song. Je connais pas la danse. Les gars, je connais pas la danse, hein. Désolé, mais ça m'a l'air compliqué. Ah mais c'est un vrai... Ah oui d'accord, mais c'est une vraie Corée en fait. Oompa Loompa, c'est quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un les gars, mais pourquoi je connais pas? En vrai c'est carré, tu te faufiles partout. Je réagis plus. En fait, les gars, je sais. Vous attendez que ça que je réagisse. Mais moi je vais pas rentrer dans votre jeu. Les gars, je vais pas rentrer dans votre jeu. T'es aigri Michou ce soir. Mais comment ça je suis aigri? Mais les gars... Ok. Mais imagine, demain t'es tranquille chez Watt, il y a 8000 personnes qui sont là qui te taillent. Un moment tu vas répondre, c'est normal, tu te laisses pas faire. Dans Charlie la chocolaterie, bah j'ai compris les gars. Dark Michou, non ça va. Là, Dark Michou il dort pour l'instant. Pour l'instant, Dark Michou il est pas réveillé. Mais essayez pas de le réveiller, les gars. Parce qu'à partir du moment où ça sera Dark Michou, il y aura plus de retour en arrière. Moi je vous le dis. Non, tu es aigri. Arrêtez. Je vois les subs, ça met l'emoji Dark Michou là. Eh, j'aime trop les emojis, ça fait trop blaze. Vous avez quoi? C'est quoi les emojis gratuits déjà? J'ai mis quoi comme emoji gratuit? C'est Yo, Bye, Ban, Banger, Flop. Faudrait peut-être que je mette. Je vais peut-être enlever ban des emojis gratuits. Et je vais peut-être mettre GOAT. Comme ça, tout le chat, vous pourrez. Tout le monde dans le chat, même les gens pas sub, vous pourrez mettre dans le chat GOAT. Quand on vous demandera, mais qui c'est qui Michou, les gars? C'est le GOAT. Vous mettrez l'emoji GOAT. Il sera gratuit pour tout le monde. Allez hop. En fait, je vais faire ça. Les emojis gratuits, je vais mettre que des emojis qui me mettent moi en valeur. Genre MDR, Banger, GOAT, 200 IQ. C'est une bonne idée, non? Je devrais peut-être faire ça, les gars. C'est quoi votre emoji préféré en vrai? Bah, du coup, il n'y a que les subs qui peuvent le mettre. Mais c'est quoi votre emoji préféré, les gars? Merci, Aindrink, 10e mois de sub. Merci, frérot. Bienvenue. Merci, Alexis, Alex, Alain Depré. Pourquoi ça dit flop là? Goat.
Ah, ça a mis l'emoji rat. L'emoji rat, j'avoue, il est pas mal. Hein. L'emoji rat, il est pas mal. J'avoue, je l'aime bien. Poulet Sifiste, merci pour ton subprime. Merci, mon frérot. Mais d'ailleurs, les emojis, là, il y en a des nouveaux qui arrivent bientôt. Et pareil, les Missou. Les Missou, ça va avoir une petite utilité bientôt. Tu devais pas cuisiner. Non, c'était hier, les gars. Hier, on a cuisiné. C'était. Franchement, les lasagnes, elles étaient bien bonnes. Mais d'ailleurs, est-ce que la rediff, normalement... Attendez. Ouais, elle est en train de s'upload, les gars. Sur ma chaîne Michou Rediff, il va y avoir la rediff du live d'hier. Elle s'upload. J'ai 60K Missou. C'est vrai? Vous avez combien de Missou, les gars, dans le chat? Moi, j'ai Missou infini. Moi, perso, les gars, j'ai Missou infini. Je vous avoue, je peux me faire plaisir. 20 000, 30 000, 100 000, 320. Ah ouais, toi, t'es... toi, t'es pas un vrai OG, toi. 48 000, 65 000. Eh, hey, il y en a, vous en avez beaucoup quand même. Hein. 65 000 et tout. 300K. Non, mais là, ça y est. Ça y est, vous abusez tout le temps. Natsuko-san, merci pour ton sub prime. Merci beaucoup, les gars. Ça fait plaisir. Vous savez que j'ai hâte du sub goal live une semaine. Parce que je sais à peu près ce que je vais vous faire. J'ai prévu vraiment pas mal de trucs pour le sub goal du live d'une semaine. Et vraiment, j'ai hâte. Hein. Road 96, énorme jeu le Mich. Ah ouais? Eh bien apparemment, il est vraiment vraiment bien le jeu. Il y a un petit sondage les gars qui s'est lancé. Combien vous avez de Missou? Il y en a quand même qui ont plus de 100K, entre 50 et 100K, 6%, c'est quand même pas mal. Hein. Les vacances des croutons, c'est pour quand? C'est pour... là on est combien? On est à 9 300 000 abonnés. Les gars, c'est dans 100 000 abonnés. Hein. Vous savez que les vacances des croutons, c'est dans 100 000 abonnés. Hein. Dans 100 000 abonnés, on a les 9 400 000. Vacances des croutons, on part. C'est bientôt. Hein. Franchement, je pense que c'est dans moins d'un mois. Je pense que les croutons, on part en vacances dans moins d'un mois. Bah, je pense que, carrément, on va partir limite pendant les vacances de février. Hein. Parce que là, il me manque quoi? Il me manque 80 000 abonnés. Et vacances scolaires 2023... voir un peu 10 février, 17 février, 24 février. Bah je pense que les gars ça va être pendant les vacances scolaires. Oh là là, les vacances des croutons. Oh les vacances des croutons, le retour. Le retour. Elles seront un peu plus courtes que d'habitude les amis parce que bah c'est pour un sub goal hein. À la base on devait même pas repartir en vacances avec les croutons mais tu connais, j'ai préparé pas mal de sub-goals, dont les 9 400 000 abonnés, on repart en vacances avec les croutons. J'ai envoyé un peu un message à tout le monde et tout, j'étais en mode, les gars, exceptionnellement, faut qu'on reparte, faut qu'on fasse plaisir aux abos et tout. Parce qu'en vrai, je pense qu'on va fêter les 10 millions d'abonnés, bah pas pendant les vacances des croutons, mais peut-être avant la fin de l'année, tu vois. Danse avec les youtubeurs. Les gars, danse avec les youtubeurs, c'est... Je pense que là, c'est le projet que je prépare le plus en ce moment. Et dimanche, les gars, dimanche, il y a une vidéo. La vidéo de ce dimanche, elle est trop lourde. Elle sortira peut-être samedi. Elle sortira peut-être samedi. Je pense que je vais peut-être sortir mes vidéos les samedis maintenant. Samedi matin. Parce qu'en fait, ce qui est cool samedi matin, c'est que vous pouvez regarder la vidéo tout le samedi. Et dimanche... Bah pareil, vous avez toute la journée pour regarder. Alors si dimanche t'as pas le temps de regarder la vidéo, bah le lendemain c'est lundi, il y a la semaine qui reprend et tout, c'est un peu plus relou. Mais ouais, en ce moment il y a un petit peu moins de vidéos les gars. Je vous avoue, je suis peut-être un peu moins actif dans les vidéos. Mais parce que j'essaye vraiment de me mettre à fond dans les projets. Bah par exemple, je vais pas vous mytho, YouTube organisé. À la base, je voulais le sortir là, rapidement. Je me suis dit, ouais, faut que je sorte le clip YouTube organisé. On vient de passer les 9 300 000 abonnés, etc. Vas-y, je demande à un tel, faut qu'on fasse le son. Tant pis si... Vas-y, lui, il est pas dispo. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis, je demande à quelqu'un d'autre. Mais après, je me suis dit... en fait, non, ça sert à rien. J'ai pas envie de faire le projet précipité. Même si c'est un sub-goal... Je vais essayer de respecter tous les sub-goals, donc de les faire au bon moment, etc. Mais j'avais pas envie de précipiter les choses, tu vois. J'avais pas envie de faire un YouTube organisé à l'arrache, alors que le projet, tu vois, je le trouve stylé. En vrai, il n'y a eu aucun, son avec des YouTubeurs en feat vraiment comme ça, tu vois. Je pense que ça peut être vraiment cool. Attendez, Steam, ça devrait être bon là, non?
Rassurez-moi, les gars. En fait, j'ai peur d'essayer que ça soit pas bon et que ça réinitialise le compteur. J'essaye ou pas? Tu comptes vraiment faire un restaurant tunisien? Non, je vais faire un restaurant, je vous dis pas encore ça sera quoi exactement. Mais ça me tue, les gars. Il y a des gens, ils voient des clips TikTok, ils font trop des conclusions facilement à cause des clips TikTok. Faut vraiment vous arrêter de vous faire avoir par les clips, hein. Hier, le live était trop bien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, mon frérot. Essaye. Vas-y, on va essayer. Allez, les gars. Suspense. Ajoutez un jeu. Ajoutez un produit. C'est parti. J'ai encore le code. Allez, les gars. Avec un peu de chance. Mais putain! Trop de tentatives d'activation. Mais j'en peux plus! Trop de tentatives d'activation récentes depuis ce compte ont été infructueuses. Mais s'il te plaît! Frérot! Moi j'ai charbonné! Ça date pas d'hier! Pardon les gars. Attendez. Steam, problème, trop de tentatives de connexion. Non, trop de tentatives de. D'activation. Temps d'attente après plusieurs tentatives d'activation. Quoi? Non, les gars, je suis sur un forum, regardez ce qu'ils disent. Oh, ça m'effraie. Je voudrais savoir combien de temps je dois attendre pour que Steam me redonne la possibilité d'activer une clé. 1 heure, 2 heures, 24 heures, me semble-t-il. J'ai pu activer ma clé après 1 heure d'attente. Maintenant, il me reste plus qu'à pouvoir jouer. J'ai changé mon mot de passe, j'étais à des erreurs, maintenant c'est bloqué. Putain, non. 1 heure après, ouais, c'est bon. Oh là là. J'ai niqué mon live. J'ai saboté mon propre live, les gars. Et bah, les refs, on va faire une tier list? Ou alors, non, au pire, j'ai une idée. En vrai, je comptais stream demain, donc on se retrouve demain. Non, mais en vrai, non, je suis dégoûté, les gars. Palworld, mais c'est le même problème. Je vous jure, Palworld, ça va être le même problème. Ça change rien. Putain, mais les gars, je suis dégoûté, vraiment. Animals Party, je sais pas c'est quoi. Fais un autre compte. Je crois que je vais faire un autre compte Steam. Eh, vous avez raison. Allez, c'est bon, frère. Allez, je me fais un autre compte Steam. J'en ai rien à faire. Allez, changer de compte. Voilà, continuer. Fermeture de Steam. Allez, les gars, on se fait un nouveau compte Steam. Vous inquiétez pas, on va pas attendre 24 heures. On va trouver une solution. Frérot, chaque problème a des solutions. Ajouter un compte. Créer un compte gratuitement. Allez, hop. Ok. Je suis pas un robot. Feu de circulation. Moto. Frérot, y a combien de trucs captcha là à passer? J'en peux plus, frère. Oh! Le truc, il me dit sélectionner toutes les messages montrant des passages piétons. Je clique sur un passage piéton, il y en a un nouveau qui apparaît. Mais respecte-moi. Tac. J'accepte. Continuer. J'ai 16 ans ou plus. Vérifiez si le message est arrivé dans votre boîte de réception. Allez. C'est bon, les gars. Je vous le dis, dans 10 minutes, on est sur le jeu. Faites-moi confiance. Avant 20h, on est sur le jeu. Ça tombe bien, j'ai lancé le live à 19h. Encore heureux. C'est vraiment inquiétant. Ok, attendez, je dois vérifier mon adresse mail. Voilà. Adresse mail vérifiée. Nickel. Non, mais je vais péter un plomb. Mais il y a combien de tests captcha, frère? Je suis là depuis tout à l'heure, je clique sur les motos comme un débile.
Bus. C'est pas possible. Mais il y a combien de tests? Veuillez réessayer. Mais genre là, il s'est dit je suis un robot là. C'est une blague. Allez là. Frérot, j'appuie. Il me dit de sélectionner les bus. J'appuie sur un bus, il y en a un nouveau qui spawn. Veuillez réessayer. Mais je suis complètement débile ou quoi? Bus. Voilà, là, il y a un bus. Vélo. Ça, c'est un vélo. Vélo. C'est pas un vélo, ça, c'est un scooter. Escalier. Veuillez réessayer. Attends, voilà. Ok, les gars, on va jouer ensemble. On va jouer ensemble. D'accord? J'ai trouvé un nouveau jeu, les gars. On va faire un test captcha ensemble. Ok. Sélectionnez toutes les images montrant un vélo. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi, les gars? Il n'y a pas de problème. Là, il y a un vélo. On rappuie. On peut valider, là. Oui, valider. Et là, c'est bon! C'est une blague! Non, non. Oh! J'en ai fait 10, ça a pas marché. Et comme par hasard, quand je vous montre, ça marche. Je suis choqué. Ah, mais il y a déjà un compte avec cet email. Oh là là. Merde, j'ai écrit méchoui. MDR trop fort. Non mais les gars, je vous jure, je me sens manipulé là aujourd'hui. Je me sens bizuté. Hein. Je me sens vraiment bizuté. Genre, c'est quoi la probabilité pour que ça fasse ça? Ok. Voilà. Là normalement, je suis certain qu'il n'y a pas de compte associé à ce mail. Les gars, je vous ai dit, avant 20h, on est sur le jeu. Vous y croyez ou pas le chat? Je suis à deux doigts de lancer une prédiction. Vérifiez votre adresse email. Je recommence. Bientôt, il va me dire, vous pouvez plus créer de compte. Vous en avez trop créé. Voilà. Ok, nom de votre compte. J'en sais rien. Michou, compte secondaire. Allez hop. Ok. Nouveau compte, let's go! C'est bon, j'ai mon compte, les gars! Alors. Là, normalement, on devrait être bon. S'il te plaît. Un compte a déjà été créé. Bah, connecte-moi, connard. Pardon, les gars, je suis aigri. Voilà, Dark Michou. C'est vrai que je commence à être aigri, là. Je commence à être aigri, c'est pas bon, les gars. Ajouter un produit Steam. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Les gars, j'ai créé un nouveau compte. J'ai remis le code. Confirmé. Oui! Activation réussie! Voilà! Rod 96, installé! Oui! On a réussi, les gars! On va pouvoir jouer le chat! Oh là 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 là! Mais tu vois, c'est ça qui est beau. C'était tellement dur. C'était tellement une épreuve, une énigme pour jouer à ce jeu que quand on va jouer, ça va avoir une nouvelle saveur. Ça aurait pas été aussi bien. Honnêtement, jouer alors que j'achète le jeu, je le lance comme si dans un été, ça aurait pas été aussi bien. Tu vois, là, je suis content, je mérite d'y jouer. Ah, ça fait plaisir. Banger. Putain, j'aime trop les emotes. Hey, j'aime trop quand ça spamme des emotes. Je crois, moi, je vais mettre mon chat en emote only, les gars. En fait, j'ai la flemme de lire vos messages. C'est trop méchant. C'est trop méchant ce que je viens de dire. Je rigole, il crache. Non, non, non. Vraiment, ça ferait rire que toi. MDR, si ça avait pas marché, tu aurais pété un câble. Ouais, vraiment.
Il n'y a plus que des emotes. Il n'y a plus que des emotes dans le chat. C'est très bizarre. En fait, un chat full emote, j'ai là, honnêtement, les gars, hein, c'est pas contre vous. Hein. Mais un chat avec que des emotes, j'ai l'impression que c'est un chat de gros débiles. Voilà. Je suis désolé, les gars, mais c'est vrai. Regardez-vous là. Ça spam n'importe quoi, surtout. Oh là là. Oh là là. Insulte-nous aussi, bah oui, bah tant qu'on y est, les gars, allez, c'est bon, Rod 96 est installé, oh les gars, je suis content, jouer, c'est parti, ah le jeu commence, let's go les gars, oh, est-ce que vous avez le son, est-ce que tout va bien là, oh bordel, je suis content le chat. Rod 96, nouveau jeu. On va découvrir ça tous ensemble. J'ai jamais joué. Si j'ai bien compris, ça a l'air d'être un jeu d'aventure avec des choix à faire. J'espère qu'on va faire les bons choix, les amis. Mais le chat, vous allez être là pour m'aider, tout simplement. Vous avez pas le son? Si, si, vous avez le son, mais juste, il est peut-être pas assez fort. Attendez. Tac. Là, normalement, vous devriez bien entendre, là. Après, j'ai peur que le son soit trop fort à un moment. Ah, vous entendez le son? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Magnifique. Et bah les amis, c'est parti. On est sur le jeu Rod 96. C'est un nouveau jeu, j'ai jamais joué. On va découvrir tous ensemble. Ça a l'air d'être un jeu un peu d'aventure avec des choix à faire. Donc c'est pour ça, je suis content de le faire en live les gars. Le chat, vous allez m'aider. On va essayer de faire les bons choix ensemble. Et voilà, j'espère qu'on va gagner, qu'on va réussir l'aventure. Je sais pas, c'est parti. Presser une touche. Oh, j'aime bien. C'est un jeu qui est sorti en 2021, les gars. Donc, le jeu est quand même relativement nouveau. Débloquer la capacité Omen. C'est quoi ça? Allez, nouvelle partie. C'est quoi? On a des... C'est des trophées. Intelligence, vous êtes perspicace. Vous pouvez rallier les gens à votre cause. Les ordinateurs n'ont pas de secret pour vous. Ok, on peut débloquer des... je sais pas, peut-être des compétences, des... Je sais pas comment on appelle ça. C'est parti, nouvelle partie. Hey, baisse there. Le son. Oh. So, you're one of us, aren't you? Mind if I ask you a few questions? Question 1. When you travel, you usually... Oh! Moi, quand je voyage, en général, c'est... Mi en famille, mi entre amis. Je mettrai en famille quand même, les gars. Je mettrai en famille parce qu'en général, je voyage beaucoup entre amis. Mais en vrai... Quasiment toutes les activités que je fais, c'est en famille. Well, if that's your idea of fun. Kidding. So, c'est un bâtard. Next question. When you're traveling, do you follow the itinerary or are you more spontaneous? Improviser, les gars, improviser. Moi, je peux pas tout planifier. Pour moi, planifier, c'est du travail. Les vacances, t'improvises, frère. Good to know. And what about politics? What would you do if you comment ça, mon ref? Qu'est-ce que tu ferais en cas de désaccord avec le gouvernement de ton pays? Alors, si je dois être honnête, les gars, si politiquement ça ne va pas dans mon pays, je suis pas d'accord avec ce qui se passe, je pense que je ferai pas grand-chose. Oh, one last question. En vrai, si je dois être honnête. You do so to... Quand tu regardes un film, c'est pour te marrer un bon coup, te sentir vivant. Je pense que se sentir vivant, frérot, c'est pas un film. Découvrir de nouvelles choses, ou alors découvrir de nouvelles choses, échapper à la réalité, te faire une frayeur, résoudre des mystères. Quand je regarde un film, découvrir de nouvelles choses. Mais parfois, tu regardes aussi un film pour Netflix and chill, le soir, avec ta go. Voilà, il y a deux options. Il y a deux options, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, en vrai, j'aime bien aussi les films d'horreur. Se faire une petite frayeur, les gars. Te sentir vivant, non. Échapper à la réalité, ouais. Soit te marrer ou soit te faire une frayeur. Allez, je mettrai de faire une frayeur. J'aime bien les films d'horreur. And I guess you're like the other runaway teens. Je parie que tu cherches à fuir Petria. It's really dangerous to cross the border. You have to be careful with the people you meet on the way. Believe me. Don't go fainting on me. But each decision could shape your destiny and Petria's too. J'aime bien ce genre de phrase. Okay,
I guess it's time for you to hit the road. I hope you're ready. Oh, j'aime bien! Le jeu est mis dans une ambiance. La petite intro avec les choix et tout. Bon, les gars, les choix d'intro, c'était mes choix personnels, hein. Je vous ai pas demandé le chat parce qu'elle me parlait vraiment comme si elle me parlait à moi. Tu peux lire les textes en même temps, s'il te plaît, car je bosse à côté. Bah, baroudeuse. Bah, attends, bah, excuse-moi quand même. C'est culotté. Culotté, mais je suis à deux doigts de le faire juste parce que tu l'as demandé. Pressez n'importe quelle touche. C'est parti. Ok, on est en juin 96, les gars. Here at our nation's border under National Mountain, the site of the Black Brigade terrorist attack in 86. If you don't remember, des centaines d'innocents sont morts ce jour-là quand un pick-up des brigades chargées d'explosifs a foncé sur la montagne. In 2 months, on the same day as the nation's election, in the same spot where I'm standing, the 10th commemoration honoring the victims. Wesh! Wesh, j'ai jamais vu un braquage aussi joyeux. Unit 2 here, on my way, over. President Tyrak, the man who built the border wall behind me, protecting our nation. Je sais pas ce qu'on regarde pour l'instant, les gars, je suis perdu. Hein. This event promises to be a solemn moment and a time to celebrate the announcement of our next president. Total BS. Of course, I'll be there live, giving you the real story as it unfolds. This has been GNN Sonia Sanchez reporting live. Ouais, c'est quoi ça? C'est la présentation des personnages? Oh, Route 96. 1924 km vers la frontière. Ok, donc si j'ai bien compris, les gars, politiquement, dans mon pays, ça va plus. J'ai envie de me barrer. Et il me reste 1924 km vers la frontière. Donc je suis dans la merde, hein. Ça fait un sacré road trip pour l'instant. C'est moi là? Est-ce que le son c'est bon, les gars? Oui, c'est ça exactement, t'as tout compris. Oh, c'est moi là? Oh, ok, je suis en première personne. J'ai 2 $. Attendez, vous voyez pas? Attendez les gars, je fais juste un truc. Oh, la musique. Oh, j'écoute du bon son. Le son est trop fort. Je me mets là, les gars. Le son est trop fort. Ok, je baisse. C'est bon, là? C'est mieux? Est-ce que c'est mieux, là, les gars, le son? Oh, la musique de fou! Banger, oui. Voilà! Eh, j'écoute des vrais sons, moi, les gars, hein. 2 $? Comment ça, j'ai 2 $? Oh! Eh, moi, je suis riche, moi! Comment ça, 2 $? Putain! Regardez dehors. Alors, attendez, là, j'ai plein d'options. Je peux faire plein de trucs. Éjecter, mettre les infos, ouvrir. Oh, j'ai un arbre magique! Wesh, j'arrive pas à lire. Et wow! Un désodorisant. Je l'ai bien dit là. Un désodorisant signé Petria Motors. Unique constructeur, ok. Petria Motors, je sais pas, c'est un peu la marque. Je crois qu'on est dans le pays de Petria, je crois. Prendre, c'est quoi derrière? Oh, des sous! J'ai trouvé des sous! Ah, je suis riche, les gars. 5 $. On va se faire une fortune. Boire. Ah, j'ai une barre de vie ou de faim. Ok. Ouvrir la boîte à gants, il y a quoi dedans? Prendre la barre de céréales. Allez. Comment je la prends? Ok, je suis en train de me régène. Mettre les infos. On va pas mettre les infos, les gars. Les infos, je sens que ça va être c'est anxiogène, les infos. Ça nous donne j'ai pas envie d'écouter. Regardez dehors. Ok. Bon, y a pas grand chose. Je comprends pas là, pour l'instant on peut pas faire grand chose, hein. Je peux pas regarder ma tête dans le rétro. Éjecter. Ah, je peux klaxonner. Une voiture Petria Motors. Petria Motors, des voitures solides pour une nation solide. Ouais, je crois qu'on est dans le pays de Petria, hein. Ça a l'air d'être une dictature, hein. Ici, c'est quoi? Ok, mon nombre de kilomètres heure. Wesh, attends, je vais à 140. Mais mon ref, regarde la route. Mais je vais pas à 140 là, les gars. Éjecter, mettre les infos.
Vas-y, on va mettre les uns. Mettre les infos ou éjecter? Moi, j'éjecte, hein. Oh, cassette trouvée. Jarod is around. Et t'es bien, on parle accent anglais. En ce moment, je m'entraîne en anglais, les gars. Je me suis inscrit sur Duolingo. Donc, survive, Jarod is around. C'est bon ou pas? Ok, donc j'ai une petite cassette. C'est quoi, c'est de la musique? Oh, jouer, je peux la mettre. Ah bah, c'est la... Ok, mais c'est la musique qu'il y avait de base. Bah les gars, je crois que je suis obligé de mettre les infos, hein. And as a reminder, oh. Never stop to pick up hitchhikers, young or old. They could be dangerous. And that's today's Sonia show. Thanks for tuning in. Ok, j'ai mis les infos quand ça dit ne prenez jamais d'autostoppeur. Et comme par hasard, on va en croiser un. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Eh bah j'aime bien. J'aime bien déjà, c'est une bonne idée. Plus tard. Le jeu a l'air cool, hein. Honnêtement, ça y est, je suis pris dedans, là. Oh non, il pleut. Oh, je déteste. Oh, rouler comme ça sous la pluie. Oh, quoique, il y a une petite ambiance, quand même. Je peux toujours... Oh, il y a quelqu'un. Faut freiner. Attention. Oh, monsieur, mais vous êtes fou. Wesh. Attends, il fait bader, frère. Vous avez rencontré Jarod? Eh hey, mais j'ai pas dit que je le voulais, moi. Vous voulez que j'allume le chauffage? Vous devriez être plus... Ouais, calme-toi, mon pote. Vous devriez être plus prudent, monsieur. Bah, cool, l'ambiance. Attends, par contre, il s'appelle Jarod? Mais c'est la cassette que j'ai mis. Où est-ce que je vous dépose? Je m'arrête jamais, d'habitude. Vous êtes pas très bavard. Je dis quoi, les gars? Où est-ce que je vous dépose, non? Résume le jeu, s'il te plaît. Ça vient de commencer, les gars. Le jeu vient de commencer. Mon objectif, me barrer de mon pays. Et il y a un autostoppeur que je viens de récupérer. Où est-ce que je vous dépose? Wesh. C'est l'occasion d'arrêter, mon ref. Ah, il est dégoûté. Wesh, il fait bader, hein. Jarod, fais voir dans tes poches là, vite fait. Frérot, t'es pas ces gants noirs là. Eh ben, grosse ambiance. Vous pourriez au moins répondre. Je vais peut-être pas rentrer. Je vais peut-être pas l'embrouiller, les gars, non? La 2 ou la 1? Moi, je suis plus la 1. Wesh! J'ai deux hommes à mes trousses? Mais frère, j'aurais jamais dû le prendre. Pourquoi ils vous suivent? Ils veulent en finir avec moi? Les gars, j'hésite. J'ai peur d'être intrusif. Si je suis trop intrusif, il peut mal le prendre. La 1, moi je crois que je dirais rien. Et après, c'est suspect de rien dire. Non, je dis là en vrai. J'ai envie de comprendre. Mais arrête, wesh! Tu fais flipper, Jarod! Ça doit faire peur, mais ça me fait peur! Vous êtes en danger. Vous êtes en danger? Wesh, il est chelou, Jarod, frérot. Avec ses cernes de zinzin, là. Frérot, faut dormir un petit peu. Lui, mais frère, non, lui, j'ai juré, lui, ça, c'est... Ça se voit, il a des dingueries dans sa cave, lui. I think they're fans of hers. Je crois que ce sont des fans à elle, faut être tordu. Hey, something's wrong with your doors. Quoi? On dirait que tes portières ont un problème. Comment ça? Wesh! Déverrouillé? Wesh! Pourquoi il verrouille? Pourquoi tu verrouilles, frère?
Soit je peux encore déverrouiller. Oh, je peux le déposer. Non, le déposer, c'est trop dangereux. Faut pas que je le dépose. Ok, je vous lâche ici. Arrêtez, s'il vous plaît. Oh! Merde. Les gars, j'ai pas peur. T'es sûr de toi, Jarod? T'es sûr de toi? Tu me fais pas peur, Jarod. Il va continuer longtemps, là? Dépose vite. Fume-le. Il continue, ce chien. Ok. Ok, je vous lâche ici. Oh merde. C'est lui qui siffle? Eh, moi j'ai que 5$, hein. Si tu veux, je te donne mes 5$, mais c'est tout, hein. Ah, je peux que le déposer là? Ah, mais là, si je le dépose, il va me niquer, non? Je crois que je suis obligé de le déposer, les gars. Eh, honnêtement, j'ai réagi comme j'aurais réagi dans la vraie vie. Hein. Enfin, peut-être j'ai réagi un peu plus couillu que dans la vraie vie. Je pense que dans la vraie vie, j'aurais dit excusez-moi, monsieur, vous voulez. J'ai 5$ si vous voulez. Je vais vous demander de sortir. Allez, descendez. Faut pas. Les gars, faut parler insistant. Si je dis je vais vous demander de sortir, il va dire ouais, c'est un gentil en vrai. C'est un gentil, il sait pas ce qu'il fait. Alors que j'ai pas peur. Tu descends! J'ai bien envie de savoir pourquoi. Je pense qu'il a un gun dans la poche. Je dis quoi là? 2. Tu descends. That's why. Je l'avais dit, les gars. Putain, je savais. Waouh, du calme. Vous êtes pas sérieux. Du calme. You picked the wrong guy to pick up. You know. Frérot, juste en ayant vu ta gueule, j'ai remarqué que j'avais pris le mauvais autostoppeur, d'accord? Juste en ayant vu ta gueule. Putain, je suis obligé de conduire. I've had a really bad day. And could you... Oh, j'aime bien. Les gars, le jeu a l'air incroyable. So that's what you're gonna do. Cheer me up. C'est ce que tu vas faire, me distraire. Mais il est malade, mais... Mais t'es un malade, toi, t'as cru que j'étais ton chien? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes taré. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Les gars, il me terrifie, hein. Ok. Alors, est-ce que... Ah, vous croyez au karma? Il va le prendre pour une provocation. Les... La police! Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a plusieurs types de flics. C'est pour ça que je fume autant. Il y aurait moins... Pourquoi il y a des logos? C'est quoi les logos? Ah, c'est selon ce que je pense. Je suis pro-révolution, mais anti-tabac. Je vais devoir m'y mettre alors. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est en mode je suis battant, mais je fume pas. Ça, c'est en mode j'ai un peu abandonné. Bon, bah, tant pis, je vais fumer. Il y aurait moins de flics avec Flores. Je suis pro-révolution mais anti-tabac. Voilà. Je suis dans ton camp, mec. Comment ça, je suis ennuyeux, chef? Les gars, je sens qu'il va me fumer. Oh, là. Wesh. Est-ce que t'écoutes les infos? Faut que je donne des réponses. Faut que je donne des réponses claires. Faut pas que ce soit parfois, oui. Faut que ce soit clair. Moi je dirais non. Jamais. Wow. Merde.
What do you think about Sonia Sanchez? Sonia Sanchez? Putain! J'ai l'impression que quand je suis négatif, ça l'énerve. Je la supporte pas. That's how I feel. Ah! Non, je le pense. Elle vous a fait du tort? Il va pas aimer si je lui pose une question, je pense. Oh merde! Ah non, c'est bon! C'est bon! Il s'énerve moins. Elle m'a fait du tort, beaucoup de tort. Ok. Elle vous a brisé le cœur? C'est drôle. Moi, je réponds ça. Oh! Wesh! Vous n'êtes qu'un vieux mec aigri. Non, il va me tuer. Merde. Ah. Je fais quoi, les gars? Désolé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, faut pas que je parle. Je parle pas. Mais je suis pas Sonia, enculé! Je suis désolé de la prendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Ah! Ouais, je lui demander ce qu'il va faire. Parce que du coup, au lieu d'être énervé contre moi, il va être énervé contre Sonia. Il va être en mode, tu sais ce que je vais lui faire à... Voilà, vous avez compris. I think you know that already. Just not the when and where. Like those two freaks after me. Oh! Stop the car. Pardon, pardon! Mais wesh! Non, arrête! Say, I want to die. Go on. 20... Oh! 24% de chance qu'il me laisse en vie. J'ai... Oh! En vie... De... Merde, c'est mort. Il va me tuer. C'est quoi le rouge? Oh non, j'aurais dû tenter. Je pensais que les pourcentages, ils allaient augmenter. Je peux pas me barrer là. Ah, oh, je peux pas. Je peux pas le rouge. Crever. Et bah top, le let's play a duré 5 minutes les gars. Certains perdront leur vie sur cette route. Putain. The trick is to keep moving forward. En fait les gars, j'ai voulu porter mes bols. Moi je me suis dit quoi? Je me suis dit oh. Ah, j'ai débloqué un personnage à 18%. Enfin Jarod, je le connais à 18%. Mais wesh, est-ce que ça veut dire que là... Ah mais j'ai fini l'épisode 1. Ah mais j'ai fini l'épisode 1 en fait, j'ai perdu. Mais non. Regardez les gars. Épisode 1 sur la route, j'ai débloqué l'épisode 2. J'ai officiellement perdu. Mais moi je me suis dit quoi les gars? Je me suis dit, quand t'es... Avec un psychopathe comme ça, qui veut. Qui, un mec sanguin qui veut te tuer, le moyen de. Qui te bute pas en deux secondes. En fait, le moyen de pas être sa pute, c'est de. C'est de répondre. C'est de mettre les points sur les i. Après, j'ai essayé de calmer les choses et de rentrer dans son jeu. Mais j'ai pas réussi. Et bah, épisode 2. Putain, mais du coup, je suis mort. Sonia Sanchez here. Welcome to the Sonia Show.
Mais qu'est-ce qui va se passer là, du coup, je comprends pas. J'aurais dû tenter, les gars. J'aurais dû tenter de dire s'il vous plaît. Hello, you're on the air. May I ask what your name is? You can call me Gerald. Hello, Gerald. Say hello, everyone. Oh, c'est Gerald, il a appelé Sonia. Il la déteste. So, Gerald, you saw the missing teen? Yeah, I gave the kid a ride. Well, tell us more. Looks like the cat's got your tongue. I did want to say something else. Something to you, Sonia. Oh! What is it? I'm coming for you. Okay then, live TV folks, let's move on, shall we? Now let's. Elle a bien réagi, hein. Franchement, Sonia, elle est professionnelle. Wesh, c'est les élections? Is still the preferred candidate. What a relief. As you know, the Sonia show. C'est Tirac le nouveau président? Who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Ouais, c'est quoi ça? Remember, if you have any information, please call the des infos, appelez le Saint. C'est quoi, les gars? Je choisis mon personnage? Je comprends pas. Take a good heart. Tu choisis ton perso. Oh, ça veut dire que l'épisode 1, en fait, c'était un peu une pré-intro. Je dois choisir mon perso. Alors les gars, regardez-les bien, t'inquiète pas, je les regarde bien, Sonia, t'inquiète pas. Alors les gars, on va bien choisir le personnage là. On a... Attendez, je vais mettre ma cam à un autre. Non, j'ai choisi sans faire exprès. Non. Non. J'ai choisi sans faire exprès. Non. Pas grave, c'est le mieux. C'était le meilleur en vrai. Ah. Bon bah c'est bon alors. Bah les gars, je savais, hein. J'ai choisi le meilleur perso. Oh, je t'ai dégoûté. C'est qui, c'est lui? The Sonia Show, Meet Your Star. JNN News. Ok. Wesh. Mais je suis qui là? Vous avez rencontré Sonia? Mais wesh. Eh les gars, je vous jure, c'est pas comme ça la vraie vie, hein. J'ai beau faire des émissions internet, TF1, tout ça, on n'a pas ça, nous, hein. Boire, vous êtes loin, c'est un peu vrai. Merci de vous être arrêté. Je suis jamais monté dans une limo. Bah, vous êtes loin. Tu te demandes pourquoi je t'ai pris en stop. Bah, oui. Eh, Sonia, elle a l'air chelou, les gars. Sonia, ça se voit, elle cache des secrets chelous. Qui est? Et que tu es ma plus grande fan. Pas vrai, ma puce? Ah, du coup, je suis une meuf. Vous êtes qui, en fait? Oh, je suis à deux doigts de répondre ça, les gars. Mais je pense que si je réponds ça, je vais mourir. Eh, moi, je bois, hein. Moi, je bois, je suis un gourmand, moi. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, je suis fan. Mais les gars, elle est bizarre, Sonia. Elle m'a pris comme ça. Je suis un inconnu sur la route. Elle me prend dans sa limousine. Sonia, tu vas finir cancel Twitter. C'est vrai, ça? Non, ça va. Elle a dit quoi, déjà? J'ai oublié, les gars. Allez, c'est vrai. Il y a une télécommande de taille moyenne à ta gauche. Ah oui. Tout ce que tu peux désirer à portée de ces boutons. Vas-y, essaye. Ok. Stop. Oh. C'est quoi ça? Wesh, il y a un bouton mystère. Oh merde. Ah. Oups, désolé. C'est qui lui? Je vais lui demander c'est qui. Job, would you?
Et elle parle trop mal, hein. Vous devriez lui parler mieux. Est-ce que je dis des trucs? Est-ce que je dis? Je pense qu'il faut pas la vexer pour l'instant, les gars. Je vais rien dire. Je me permettrai de lui dire des trucs quand on sera un peu plus pote. Pour l'instant, faut rentrer dans son jeu. J'analyse. On appelle ça un toit ouvrant. Vas-y, sors la tête. Mais elle est malade, elle. Oh, j'ai pas envie de sortir la tête. Je suis pas un chien. Bon bah j'ai pas le choix, hein. Ouais. Wouhou. Wouhou. C'est un peu cool en vrai. Waouh, cette vue, vous faites ça souvent? J'ai un insecte coincé dans les dents. Vous faites ça souvent? C'est un peu ce que j'ai fait, hein. Lis une lettre des fans à côté de moi. J'essaye d'éviter de les toucher moi-même. Mais attends, mais elle est malade. Elle veut que je lui lise une lettre de fan. Mais frère, elle est malade. Elle a un ego de fou, elle. Watch your back, Sonia. Oh merde. Quelqu'un semble en vouloir à Sonia. Oh merde. What's it say? Je vais dire la vérité. Les gars, faut être honnête dans la vie. Mais là sur la pile, lettre de menace. Elle en reçoit beaucoup. Vous en recevez souvent? On respecte Adam! On parle pas comme ça, Adam! Pourquoi les gens font ça? Je... Eh hey, elle parle trop mal, elle. On est où, là? Crie pas. Pardon, les gars. Il a l'air trop bien, le jeu. Les gars, je suis accro. Tu m'as fait peur, pardon. Personne devrait vous menacer. Pourquoi les gens font ça? Ouais, pourquoi ils font ça? Qui que ce soit, ils feront rien. Ok. J'espère que vous avez raison. On va pas poser trop de questions. Mais c'est bien là, elle commence à me parler un peu. Tu vois pas que je discute avec ma plus grande fan? Mais elle est malade, hein. C'est l'heure. C'est l'heure? Oula, comment ça c'est l'heure? Attends, mais elle regarde. Elle se regarde elle-même? Non. On dit que c'est du direct, mais ça serait trop galère. Mais tu te regardes toi-même à la télé, Sonia? Mais elle kiffe en plus, hein. Elle se regarde, elle est contente. Tu sais, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. J'ai une question. Allez. Vous savez pourquoi il y a tous ces flics? Oh. Il y a beaucoup de flics? J'ai pas fait gaffe. Déplacer le coussin. Ah, faut peut-être faire ça. Tiens, c'est bizarre. Vous couvrez les fugueurs des fois? Un conseil pour la route. Vous couvrez les fugueurs des fois? Hein? C'est quoi ça? Je comprends pas ce que ça veut dire. On va lui dire un truc. C'est... Allez, un. Vous savez pourquoi il y a tous ces flics? Hop, je déplace le coussin. Oh, il y a une cassette. Flores demanderait pas ça aux flics. Il n'y arrivera pas, le vent tourne. Ils traverseront quand même. Elle a dit quoi, les gars? Tu es un fugueur. Ah, je suis un fugueur. Mais oui, c'est vrai, je suis fou. Je suis trop con. Je suis un mec qui fugue, qui essaye de se barrer vers la frontière. Et du coup, en fait, elle m'a aidé, en fait. C'est toi qui fugue. C'est vrai. Attends, il y a la cassette. Oh, j'ai trouvé la cassette Ultimatum. The Toxic Avenger Ultimatum. Ok, j'ai trouvé une cassette. Flores demanderait pas ça aux flics. Il n'y arrivera pas, le vent tourne. Ils traverseront quand même. Moi, les gars, j'y crois. Il n'y arrivera pas. Attention, tu commences à parler comme les brigades. Ah, tu sens ça? On ralentit.
Adam for me, would you? Appelle Adam pour moi. Hop. Appelez Adam. Yes, Sonia? It wasn't me who rang, Adam. So stupid. C'est ma plus grande fan. Yes, Sonia's biggest fan? Pourquoi ralentit? On arrive à un poste de contrôle et on dirait qu'il y a encore une manifestation. Oh! Wesh! Oh bordel! Mais attendez les gars, je vais pas passer là. Je suis recherché depuis plusieurs jours. Je suis en train de fuguer, je suis recherché depuis plusieurs jours. Ça arrive souvent, ils manifestent pourquoi? À cause des fraudes de Tyrak à l'élection. Ah, il a été élu, mais il a triché! Oh! Wesh! Elle est pas trop aimée par les manifestants. Ils vous aiment pas beaucoup. Wesh! Comment ça la fête va pouvoir commencer? Mais elle est malade, elle! Mais elle est malade, Sonia! Oh! Vous devriez écouter Adam. Ils ont de bonnes raisons d'être là. Oh putain, je devrais peut-être pas dire ça, les gars. En fait, ça c'est trop. Je porte mes balls. Tu vois, si je prends mes balls, bah, sur la. Aïe, je me suis cassé là. Ah, je me suis tué le poignet. Allez, écoutez Adam un peu là. Oula. Ils ont encore ramené des cailloux. Oh! Ces manifs vont rien changer. Ils ont raison. Allez, ils ont raison d'être en colère. Et elle aime pas quand je dis ça. Comment ça la police passe à l'action? Mais wesh! Ça va aller, vous croyez? Les policiers vont tirer? Non. Wesh! Ils vont mourir là! Les manifestants devraient se disperser. On a une escorte! Ciao le bouseux! Wesh! Le bouseux, si tu passes par là, frérot! Sonia, elle a pensé à toi, elle te fait des gros bisous. Hein. Ça réveille, hein? C'est une blague? Faut pas trop lui rentrer dedans non plus, les gars. Faut pas lui rentrer dedans. I'm joking, sweetie. Sweetie pie, I'm gonna take you a little further than I originally intended. Mon petit chat, bah dis donc. Je vois que les relations vont vite. Ah, si je dis. Ah, je comprends pas là. C'est quoi les deux traits? Ça signifie quoi les traits? Ça ira, je vais plutôt marcher. Je pense que ça veut dire que ça va être long. Alors que si je dis merci beaucoup, elle va me déposer plus loin. Ah, c'est l'endurance. Si je dis ça ira, je vais marcher, j'utilise 3 barres d'endurance. Alors que si je dis merci beaucoup, j'en utilise 2. Parce qu'elle va me déposer plus loin. Putain, mais le problème, c'est que je suis sûr que rester dans la limousine, ça peut me causer des problèmes. Vas-y, je vais rester. Tiens, tu l'as mérité. Oh! Ouais, ça m'a donné de la thune! Mais frérot, mais c'est une dinguerie! Mais pourquoi elle me paye comme ça? Mais. Mais elle m'a pris pour ça. Bah, elle est malade! Oh! On avance, les gars! Wesh! Bah, attends, mais merci Sonia, hein! 1473 km, elle m'a donné 30 balles. Sa vie, hein. On a passé une bonne journée, hein, avec Sonia. Et bah, c'est carré. Les gars, on a découvert Sonia à 18%, Jarod 18%. C'est pas mal. Donc, plus ça avance, plus on va connaître un petit peu l'histoire. Mais du coup, là, ce que je suis en train de comprendre, nous, on est un peu contre le gouvernement, contre ce qui se passe un peu au gouvernement en ce moment.
Du coup, on essaye de fuir le pays, sauf que là, il nous reste 1400 km avant de passer la frontière. Et en même temps, on fait un peu des rencontres sur la route. Sonia, Jarod, Sonia c'est la présentatrice, tout le monde la déteste. Jarod c'est un mec qui la déteste aussi, un révolutionnaire un peu. Il l'aime pas non plus parce qu'elle lui a fait des trucs. Mais après Sonia a l'air vraiment chelou. Jarod il m'a fumé dans l'épisode 1 donc il est chelou aussi. Bah on va continuer. Oh je suis toujours dans la limousine là. Ok j'ai perdu mes deux barres d'endurance. Les symboles avec le vote ou le point, c'est pour influencer les élections. Ah d'accord. Ah, soit je manifeste, soit je vote, ou soit je fais rien. Ah c'est drôle. C'est drôle parce que vous avez vu ce que j'ai répondu dans la... au tout début. J'ai répondu que dans la vraie vie, quand il y a un truc qui m'allait pas en politique, je faisais pas grand chose. Et là je suis en mode je manifeste. Parce que je joue le truc à fond quoi. Mais est-ce que ça voudrait pas dire que dans la vraie vie... Je ne vis pas ma vraie vie à fond. Est-ce que ça voudrait pas dire ça aussi? Moi je pense qu'à la fin le jeu il va nous mettre une leçon de morale. Et je vais devenir manifestant. Reward. Le nom du jeu s'il vous plaît. T'es philosophe ou quoi? Ouais je suis peut-être parti un peu loin les gars. C'est possible que je sois parti un peu loin. Attendez est-ce que... Je vais chercher une gourde d'eau les gars, j'ai un peu soif. J'arrive. Re le chat, désolé. Va ramener une air up. Même pas, j'ai pas trouvé la gourde. Là je ramenais la petite air up. Petite sponsor les gars. Ça régale hein. Ça fait plaisir, ça a leak. Qu'est-ce qui a leak? Comment ça a leak les gars? Qu'est-ce qui a leak? Monte le son. Il se barre au calme, ouais désolé. Ok, on est à côté de la route. J'imagine que là, on va essayer de trouver un endroit pour dormir. C'est quoi ça? Reward 1000$, récompense. Appelez le 96-112 si vous disposez de la moindre information concernant l'émetteur radio des brigades. D'accord. Ado disparu. Oh, j'en fais partie. Si vous disposez de la moindre information, appelez immédiatement. J'en fais partie, les gars, des ados disparus. Votre président Tirac. Ah, je peux taguer? Je vais taguer. Hop là. Ni vu ni connu. Ce choix a un impact. Les gars, moi, mon but, je me barre du pays et je suis révolutionnaire. Frérot, je ne veux pas vivre dans cette dictature. C'est qui, elle? Il est ronron, le chaton. Mais qui parle comme ça, wesh? Oui? Dis-moi, tu comptes bien voter? Grave. Je sais pas encore. Allez, grave. C'est aussi pour ça que Tirac vous envoie, tu sais où. Comment il s'appelle ce chat? C'est quoi ce bruit? Attends, mais elle me parle de vote. Je vais pas lui parler du chat. Des conseils pour la route? On récolte toujours ce que l'on sème. Caresser le chat. Faudrait peut-être demander hein, avant de commencer à toucher son minou là. Attendez les gars, quand je dis attendez, c'est un peu bizarre. Alors, est-ce qu'on lui caresse le chat? Eh mais la musique elle est incroyable. Bizarre dit comme ça. Ouais, bizarre, bizarre. Allez. Oh, ami des bêtes. Caresser le chat. Ah bah j'ai gagné un objectif. Bon, bah c'était pas très utile. Vas-y bah on va continuer à marcher. Wesh. Il m'a fait peur. Snacks, cassettes. Oh, on peut acheter des trucs.
Des conseils pour la route, tu essayes de traverser? Je vais lui parler un peu. C'est pas donné la vie de fugueur. Ah, c'est un mec comme moi qui fugue. Est-ce que j'achète une cassette? Ça sert à rien les cassettes en vrai les gars, non? C'est pas juste des trophées les cassettes? On n'entend pas beaucoup le jeu. Vas-y, je vais mettre un peu plus fort. J'ai mis un peu plus fort les gars, après je veux pas que ce soit trop fort non plus. Là déjà la musique... Sinon attendez. Voilà. Je fais comme ça les gars. C'est bien là? Je pense que là c'est bon. La musique est pas trop forte mais les voix seront plus fortes. Parfait le son là. Je pense que c'est bien ouais. Cassette. J'hésite à acheter un truc les gars. Peut-être de la nourriture quand même non? En vrai j'ai 35$. Je peux peut-être profiter un peu. Go vote. Putain mais en fait tout le monde fait la révolution ici hein. Oh. 70% de chance. Pardon, vous auriez une petite pièce? Vous auriez quelque chose à manger? Ah, c'est pas mal. Je vais demander des sous. Oh merde! T'es l'un d'entre eux, hein? Désolé, gamin, mais j'ai rien. Putain, j'ai pas eu de chance, frère! J'avais 70% de chance que ça passe! Tagué. Non, c'est logique que je tague ça, non? Ça fait quoi si je tag ça? Attends, il y a Bella Ciao. Bella Ciao. C'est ici? Rends l'argent et j'appelle pas les flics, ok? Oh. A guy got stabbed here 2 days ago and they never came. The cops aren't gonna show for this. C'est un personnage important ça. I don't have time for this. Just a Mitch you stole from me and I didn't do it. Oh, vous avez rencontré Zoé. Tout va bien par ici, il se passe quoi alors? Everything's fine. It's not fine. She broke into my office and stole from me. Elle est entrée dans mon bureau et a volé le contenu de la caisse. Elle dit qu'elle a rien fait, vous avez une preuve? Who are you? Her attorney? No, I don't have proof. C'est une génie du crime. Il a trop le seum. Laissez-la, un peu faible comme accusation. Je suis trop un chien. Génie du crime. Un peu faible. Un peu faible les accusations, monsieur. Wesh, wesh. Elle veut me taper là. T'avais pas besoin d'intervenir hein. Je pouvais gérer toute seule. Quelle horreur ce type. J'en doute pas, j'avais pas l'impression. Ok, elle les gars, ça va devenir ma pote. J'avais pas l'impression, non, ça va la saouler. Quelle horreur. En mode, j'étais obligé de réagir. Après, en soi, dans la vraie vie, elle a quand même volé au gars. Tu trouveras mieux ailleurs. J'adore les caravanes pourries. Ah ouais, à ce point, qu'est-ce que tu fais là-haut? Et bah allez, j'adore les caravanes. Comment je fais pour en louer une? Y'a un coin pour dormir gratos? Allez, on est des rats ici nous. Y'a un tas de cartons. Bah cool. Carl le tuffer. Merci, à plus tard. C'est qui Carl? Cool, peut-être à tout à l'heure. Ok. Hey, don't become roadkill out there, okay? Ça va Zoé, elle est cool elle. Oh, je peux frapper? Est-ce que je tente les gars? You said you give me another week. Vous avez dit que j'avais encore une semaine. Hein? Encore une semaine pourquoi? Ok, c'est chelou à l'intérieur. Les gars, je tente juste un truc. Ça fait quoi si je tag ça? Est-ce que je tente? Ça fait un truc bien ou ça tag un truc mal?
pour payer le loyer. Non, c'est mal. Ah, c'est mal. Ça fait un truc mal. Ok, bah faut pas que je le fasse alors. Oh, je peux pirater. Oh, putain, mais c'est dommage. Il y a des compétences qu'on peut gagner avec le temps. Là, par exemple, je peux pas pirater. Faudrait que je trouve un code pour réussir à rentrer à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, mais... This is 191.9, oh. The voice of the brigades. This is your papa baby here. C'est votre papa pouce. C'est qui ça, papa pouce? More and more countries are calling for the resignation of Tyrant. I mean, Tyrak. But will he step down? Of course not. Which is why, dear listeners, we must resist this man and his government as much as we can. And now, here's a tune from a fresh new band. Remember, okay. Papa Baby loves you. You left the radio outside, oh. Denny. Turn it off before you get us arrested. Est-ce que je reste là? Il y a quelqu'un qui va sortir là, non? Ah, je peux jouer? Je suis mort, je peux mettre de la musique. C'est quoi ça? Appelez le 9612 si vous disposez le moindre concernant l'émetteur des radios des brigades. Ah oui, ok. Toujours le même truc. C'est vrai si je joue? Je joue Ultimatum, les gars. It's not me, I swear. Ah, ça va le faire sortir du coup, non? Non? Ok. Je sais pas, les gars. Code 1919. Ah, parce qu'à la radio, c'était le 19.19. Mais vous êtes sûr? Ah, mais c'est de la triche, non? Mais les gars, c'est de la triche. Et je suis sûr que c'est même pas ça. Mais après, c'est pas con, hein. Attendez, je vais regarder. C'est vrai que c'est pas bête, les gars. C'est pas ça. Mais c'est pas bête! Les gars, c'est vrai qu'il y avait un truc où il fallait trouver un code. Et ensuite, radio 19.19, ça pouvait faire penser. Ok. C'est qui, lui? Salut, je suis nouvelle par ici. Allez, je suis nouvelle. Welcome to paradise. You got any money? T'aurais pas un peu de thunes? Ah. Est-ce que je l'aide? Peut-être que si je l'aide, les gars, ça peut être un bon, hein. Putain... En vrai, j'ai 35$, je peux peut-être l'aider, les gars, non? Non, non. Moi, je suis un mec bon. Si. Nice, nice. Can I have some? You're real nice. And that's why the road is gonna eat you alive. Quoi? Mais sale chien! Comment ça, la route va me bouffer tout cru? Oh, je peux manger... Je peux manger un burger périmé? Mais sale chien, rends-moi mes 3$, toi! Mais frère, je suis trop naïf, putain. Mais je suis trop naïf. J'essaye d'être gentil avec les gens, c'est comme ça qu'on me remercie. Avec un burger moisi. Putain. C'est pas grave, moi je crois au karma, les gars. Est-ce que je mange le burger, vous croyez? Insulte-le en arabe. Nardi Noumou. Manger ce truc avarié. Non, je vais pas manger, les gars. Je vais pas manger. J'en ai pas besoin, en vrai. Oh. Il y a une musique de fou, là-bas. Attends, je peux toquer. Wow, j'ai toqué en mode FBI, open up. Oh, la musique. Oh, oui. Oh, le danseur. Mais wesh. Mais les gars. Ça vous fait pas penser à quelqu'un, là? Si je fais ça. Ça en fait penser à personne là. Mais c'est moi. Mais les gars, c'est moi. C'est moi sur Danse avec les Stars. Wesh, la dinguerie. C'est mon sosie. C'est moi sur Danse avec les Stars. Oh, le danseur. Karl le Tuffer, mais oui. Tu peux te joindre à moi. Comment je fais pour louer une place? Où est-ce que je peux dormir gratos? Je peux vous accompagner? Moi, je suis un danseur, moi. But
Mais tu peux toujours tenter ta chance. Oh, je danse avec lui! Tu vois ce que je voulais dire? Attends, j'espère que ça va pas me fatiguer, ça. Hein. Où est-ce que je peux dormir gratos? Comment je fais pour louer une place? Moi, je veux dormir gratuit, les gars. Il y a des cartons qui traînent là à côté du gars. Mais fais gaffe, il ronfle. Côté de quel gars? Ah là là. Ah mais oui, il y a ce gars là. J'avais pas vu, il y a un gars bourré. Eh mais il regarde la radio. Éteindre la TV. Il regarde les infos. Ok. Est-ce que je lui demande comment je fais pour louer une place? J'entends pas avec la musique. Comment je loue une place? Ok, d'accord. C'est un bon lui. Les gars, est-ce qu'on loue une place ou on dort gratuit? En fait, peut-être que louer une place, ça va peut-être me régénérer mon endurance ou quoi. Mais je pense que je vais dormir gratuit. Il y a pas des... Je suis sûr, il y a des trucs à manger. Putain, il y a personne qui ouvre quand on toque, hein. T'as l'air paumé. Mais non. Moi, paumé? C'est en haut des escaliers. Otherwise, find the dancing guy. There's cardboard near him. Je le savais. Ouais, je le savais, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Les gars, je vais rien louer, mais je veux juste voir s'il n'y a pas à graille. Oh. Ah, mais voilà. Eh, l'autre, il essayait de m'arnaquer, là, avec ses barres de céréales à 10$. Oh, mais c'est cher, quand même, 6$, là, pour de l'eau ou du jus de fruits. Je suis sûr qu'il y a un truc. Bon, quoique, hein. Bon, les gars, je crois que je vais aller dormir. Attends, mais j'ai trouvé un easter egg de ouf, là. Attends. Oh! Voler à manger! Oh! Non! Attends, je peux réparer ça par contre. Mama! The TV's working again! It's a miracle! Hey, on n'est pas bien là? Eh bah, tu sais quoi? Pour me récompenser, je prends une petite barre. Non? Non, mais je suis pas un voleur, moi, les gars. Eh, tu sais quoi? Je vais faire cette aventure en étant bon, d'accord? On m'a pas volé, donc je ne vole pas. C'est pas bien, les gars. Par contre, à la base, j'étais venu ici pour trouver à manger. Bah, j'ai trouvé à manger, mais... Je suis un bon. Vol. Non, good vibes ici. T'as l'air paumé. Non, je suis pas paumé. Bon. Oh. Tirer. Attends, je vais tirer dans la fenêtre. C'est éclaté. Vous croyez on peut faire un truc avec le ballon? Ouais, c'est nul un peu, hein. Vas-y, bah, les gars, on va aller dormir, hein. Vol, c'est ta récompense pour réparer la télé. Oh, j'aurais dû toquer. Attends. Vous voyez là où j'ai réparé la télé? C'est où? C'est là? C'était quelle antenne déjà? Je vais toquer. Peut-être du coup ils vont sortir pour me remercier. Non? C'était où? C'était celle-là. Tu vas voir, ils vont me remercier. Allez, c'est un flop. Bon, les gars, je vais dormir. Je peux pas passer par là? Non, je peux pas. Allez, on va dormir. Eh, mais je peux courir, putain. Depuis tout à l'heure, je marchais.
Va voir le proprio. Non, je pense que ça va être payant, les gars, de louer une chambre. Ça va coûter cher. Moi, je dors sur les cartons, moi. Allez. La vie de campeur, les gars. Oh, regarde-moi ça, les étoiles. Mec, j'aimerais trop voir les étoiles aussi bien en vrai. Hein. À chaque fois que j'ai vu les étoiles, en vrai, je les voyais jamais aussi bien. Ah, mais ça régène de dormir. Oh. Hey, wake up. Zoé ? Vous voyez, les gars, j'ai bien fait de pas voler. J'aurais volé pour rien. Mais laisse-moi Nerès là, Zoé. Je suis en train de dormir. Grouille, vas-y, je me dépêche, Oh, mais comment ça? Elle me réveille, elle me parle comme ça, elle est malade, elle. C'est un date là, Zoé, ou quoi? T'as pas des chamallows par hasard? Bah si si, j'ai des chamallows bien sûr. Oh. Mais les gars, Zoé elle m'aime bien. Hein. Nehes. Qu'est-ce qu'il y a les gars? J'ai dit Nehes, vous êtes choqués? T'es une meuf, Mich. Ah oui, merde, c'est vrai. Mais oui, bah attendez, bah peut-être. Alors, comment t'as atterri ici? T'es sur la route depuis longtemps? On va dire quoi? Comment t'as atterri ici? Je voulais fuir Petria, comme toi, non? My dad thinks I'm on a big road trip. Truth is, I'm never going back home again. J'ai aucune intention de rentrer. T'as déjà vu la frontière? Pourquoi t'es parti? To have a normal life? Pour avoir une vie normale. Mon père dit que j'ai de la chance, que j'ai une vie de privilégié ici. Ça me dégoûte surtout depuis que j'ai vu. Il y a quoi de l'autre côté? Ah. Frérot, elle a vécu un truc traumatisant, Zoé. Hein. T'as peur des fois? Tu penses y arriver? I don't know. Only about 1% of us do, or so I hear. And you know what happens to the rest, the pits, or worse. Ouais. Well, enough about all that. Hey, why don't we play a little music? Oula. Moi? J'ai joué moi? On va voir hein. Michou Dragueur, mais les gars, le jeu est trop bien. Vas-y, joue Bella Ciao. Wesh. Elle se fout de ma gueule. Et à la fin, je me suis amélioré. Hein. Allez, avec la musique. Oh les gars, ça va être monstrueux. I should be recording this. Ouais. Mais elle se fout de ma gueule. My stomach hurts. Mais les gars, je suis si nul. All right. Yeah, all right. Wow. Merde, c'est qui lui? Attends, mais c'est pas drôle, Zoé. Eh ben, je m'en fous. Moi, je me souviens une amie, moi. Oh man, that was great. Je t'ai fait virer du camping. Il est sérieux, lui? Bon, elle s'est bien foutue de ma gueule, les gars, quand même. Mais on est d'accord que là, c'est un date, là. Non mais les gars, c'est un date. Frérot, tu vis ça avec une meuf, c'est un date. On taille la route ensemble.
Je comptais pas rester non plus. Oh, je me fais une compagnon de route? That's sweet, but I think I need to travel on my own. Ah merde. It's important to me, you know? Je me suis recalé. Fais chier! Non! Zoé! Zoé! Ouais, ouais, mais t'inquiète, j'aime voyager seul aussi, moi. Yeah, it's ouais, like ouais. We have to do this on our own. To become adults or something. Ouais, grave, grave. Oh, we should probably start packing, huh? Good ouais. Luck out there. Oh, this is for you. To remember. Tiens, this un petit souvenir. Oh! Alex on the road. Eh ben, allez. C'est gentil. Oh! Appeler un taxi, attendre le bus, faire du stop, partir à pied. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Déjà, c'est con d'appeler un taxi alors qu'on peut prendre le bus, non? Faire du stop ou partir à pied? Le stop, les gars, c'est trop dangereux, j'ai l'impression, putain. Oh non, le stop, c'est trop dangereux. Moi, je pense... Le stop, le problème du stop, c'est que si je tombe sur un mec qui reconnaît que je suis quelqu'un de recherché, il va appeler et comme ça il va gagner des sous. Il va me balancer au flic. Appeler un taxi, attendre le bus, partir à pied. Sinon je pars à pied hein. Non, je prends le bus. Les gars, le bus c'est pas trop trop cher. Allez, je prends le bus. C'est la bonne solution. Ça m'épuise pas trop, c'est pas trop cher. Moi je pense que c'est bien. Le stop c'est dangereux. Après ça aurait pu me faire faire des rencontres si ça se trouve, mais bon. Putain, mais c'est trop bien, frère. On écrit vraiment notre histoire là. Je trouve ça trop trop stylé. Parce que du coup là, j'imagine que la prochaine aventure, ça va être dans le bus. Mec, c'est trop bien. C'est trop bien. Oh. Sacré ambiance. Merde, y'a un flic. Ah, je dormais. Oh, le dégradé du gars devant là. Oh, le dégradé. Oh, qu'est-ce que tu regardes, gueule d'ange? Oh, juste, j'adore les flics. est-ce qu'on dit ça? Non, 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 non. Mais wesh, mais elle est malade de parler comme ça, elle. Oh, respecte-moi, là. Non, mais par contre, le dégradé devant, il est bouleversant. Oh, le crâne. Petite queue, là. C'est beau, hein. Really chat, ok. Fine, ah. Ahead. Une opinion sur l'élection. Vous patrouillez souvent par ici, vous entendez bien entre flics. Qu'est-ce que je dis? Opinion sur l'élection. Je pense que ça sert à rien de poser cette question, les gars. Ça va juste créer des dramas. Vous patrouillez souvent par ici. Pourquoi pas? Vous entendez bien entre flics. Ça, c'est trop privé. Allez, on va faire ça. C'est mon affaire du moment qui veut ça. Je peux savoir quel genre d'affaire? Mais wesh, frérot, c'est la carte de l'ancien là. Là, je sors la carte en mode quel genre d'affaire? Parce que attention, tu sais pas à qui tu parles. Il y a beaucoup de policiers sur la 96. Ouais, je vais lui poser la question. There are, yeah. And the big man wants more. Why do you want to know anyway? Je veux devenir policière. Simple curiosité. Je vais faire genre, je veux devenir policière. I'm not sure I believe you. Je sais pas si je dois te croire. Unit 2 to Central, come in. Unit 2 to Central. Hey. Oh. You gotta help me. Oh, j'hésite à lui dire arrête de me parler. Qu'est-ce qu'il y a? She's taking me to the pits. Oh! Oh merde. Je vais voir ce que je peux faire. Les gars, je sais pas c'est quoi la fosse. Je sais pas c'est quoi la fosse, mais c'est la merde. Je vais essayer de l'aider. Les gars, je vais essayer de l'aider. Pourquoi vous l'avez arrêté? Où est-ce que vous l'emmenez? Vous allez l'envoyer dans la fosse? Je pose quoi comme question, les gars? Je sais pas c'est quoi la fosse exactement, mais je sais que c'est la merde. Bah, j'imagine. Il demande de l'aide. Où est-ce que vous l'emmenez? Au poste. They're gonna send me to the pits to mine.
I'll never see my family again. Ah, soit je peux être du côté de la flic, soit je peux être du côté du gars. Oh, oh, c'est dur. Parce que là, je peux me faire niquer en vrai. Hein. Je peux me faire voir en bizarre. Hein. Non, mais j'ai pas envie de le mettre dans la merde. Eh hey gros, je suis désolé frère, c'est chacun sa route. They're gonna brainwash me, beat me. Les gars, je suis désolé. Oh, you don't really believe that, do you? Huh? Believe what? Oh. That the teen work camp doesn't exist. Ma'am, now's not the time for a discussion. Oh, il y a une autre meuf. Et une autre meuf qui se rebelle. Putain, mais là c'est un problème là. Mais ça sert à quoi? En fait, on va débattre. Mais la flic, dans tous les cas, c'est elle qui choisit à la fin. It's time for a discussion. It's important. You don't seem like oh, même le mec ici met. Just confused. Confused? Ha, you liberals crack me up. Look, this is official police business. My car broke down, okay? Ceci est une vraie opération de police, c'est compris. Les flics sont les pantins de Tirac. Vous ferez mieux de vous retourner. Putain! Oublie pas que tu vas être flic, Mich. C'est vrai que je lui ai dit que je voulais être flic. Je lui ai dit que je voulais être flic en plus. Non, mais je peux rien faire là. Look, I've heard the stories too. But they're false. Fake news. Fake news. Ah! Ah, je vais craquer, les gars, je vais porter mes couilles. C'est pas de la propagande, est-ce que je le dis? Est-ce que je porte mes couilles? T'aurais pas dû t'en mêler. Oh putain. Je sais pas, les gars. Non, mais il y a des tensions, ça peut être dangereux, frère. Eh, je suis désolé, je fais rien. I'm a mother. I'd never send a kid to a place like that. Not intentionally, I know. But you are. What did you arrest this kid for? Look, I'm not gonna. He was trying to cross the border, okay? Then he's gonna end up, you know where. Whether you think they exist or not. That's enough, sir. Now, both of you, please turn around. Putain! Les gars! J'hésite quand même. Frérot, je serais le mec, j'aimerais qu'on m'aide, tu vois? Les gars, j'ai pas les couilles. On n'arrive pas à joindre les renforts? On devrait tous respirer un grand coup. Citizens should be able to arrest cops, you know that? To keep them honest. Oh merde. J'ai augmenté les tensions. C'est une bonne idée, frère. Allez, Fanny, crack! Quiet back there. Actually, it's a good idea. Does anyone know you've arrested him? No, but now that's enough. C'est bon, elle va craquer, les gars. Elle va craquer. Elle va craquer. Laissez-le partir. Just get off at the next stop. That's all you have to do. I'm not gonna say it again. Ça sert à rien de trop insister après. J'hésite à dire laissez-la tranquille. Je vais dire laissez-la tranquille, faut pas la brusquer. Unit 2 to Central. Mais frère, Unit 2 to Central. Je suis de ton côté là. Elle fait son travail. Wesh, mais comment ça les tensions elles montent encore là? Wow! Est-ce vraiment nécessaire? Posez cette arme tout de suite. Non mais frère. Mais elle est malade là. Elle, en fait elle est en stress. You've crossed the line.
Oh, mais je suis de ton côté là. Frérot, depuis que je suis de son côté, les tensions ne font que monter. Écoutez votre cœur, vous avez pas à supporter ça. Putain, je dis quoi? Écoute ton cœur. Son cœur, je sais très bien, c'est une maman, elle l'a dit elle-même. Son cœur, elle veut laisser le petit. Elle veut le laisser, frère. Elle veut pas l'enfermer. Écoute ton cœur. C'est bon. Unit 2 here. Just wanted to tell you I had some car trouble. Let's go! Je suis un bon, les gars. On est bon, les gars. J'ai été bon. I need a car to pick me up. Bien joué, Fanny. En vrai, eux deux, ils ont grave géré devant. Lui, frérot, il s'est réveillé. Ça a fait péter les temps. Oh, il y a une cassette. Je peux pas la prendre, la cassette. Descendre au prochain arrêt. Ça me fait utiliser 2 barres d'énergie. Rester encore un peu dans le bus, 1. Je pense, les gars, que là, les barres d'énergie, il faut que j'essaie d'en garder un max. Parce qu'en vrai, pour l'instant, ça a pas encore pété. Il y a pas encore de grosses, grosses tensions, tu vois. Alors que je suis sûr que des fois, il peut y avoir, j'en sais rien, une course-poursuite ou un truc qui fait que c'est la merde de ouf. Donc, je vais conserver mes barres d'énergie, je reste dans le bus. Après, si ça se trouve, je loupe des rencontres, hein. Peut-être, je sais pas. Oh là là! Mais wesh, 714 km! Attends, mais il a bien avancé, le bus. Mais on va finir le jeu, hein. On va finir le jeu ce soir, les gars. Vous pensez que là, il reste combien d'heures de jeu dans le chat? Franchement, j'avance méga vite. 2. Putain, mais beaucoup. 5 heures. Ah ouais? C'est que le début. Ah ok. Ok. Le bus vient de me déposer. Va falloir trouver un endroit où dormir maintenant. Ouais, c'est l'Everest devant. C'est quoi là? Le jeu est incroyable, hein. Les gars, le jeu est vraiment une masterclass. Je surkiffe. Je suis content parce que pour l'instant je fais des bons choix. À part le premier épisode où je me suis fait allumer. You sure this place is close? Oh merde. Oh, c'est les... Frérot, c'est les terroristes du... Du début. Vous avez rencontré Stan et Mitch. Oh, le Mitch. Oh. Ouais, mais est-ce que je veux vraiment les rencontrer, moi, Stan et Mitch? Oh, manger ce truc avarié. Non, mauvaise idée. Putain, mais y'a que des trucs périmés à par terre à manger, là. Fouiller la poubelle. Pourquoi j'ai pas ça, putain? J'aimerais pouvoir... Je vais leur parler, les gars. Michou. On va aller voir le petit Michou. Ouais, j'ai pas le choix, hein. Stan. You there. Wanna be part of... Hey, toi, tu veux participer à un truc grandiose? Comme quoi? A break in. Probably the best ever. Best ever? You say that before all our crimes. And every time, it's true. Pourquoi on veut rentrer au juste? Je vais avoir besoin de plus d'infos. Pourquoi on veut rentrer? Viens, c'est pas le moment de l'embiner. Attends, mais ils vont vraiment me recruter dans leur équipe comme ça, là? Faut être très discret. Mais attends, mais je vais vraiment faire un cambriolage comme ça, là? Ok, bah let's go. C'est parti, les gars. Hé, hey, on est bon, là? On va former un nouveau trio. Et voilà, Stan, Mitch et Mich. Hé, hey, si c'est pas beau... Je serai la discrétion même. J'ai pas très envie de faire tout ça. Non, non. Really? On va faire tout ça. Now shut your trap. V'là Mitch qui revient. Ok, ok. From what I can tell, elle a une sacrée voix, Mitch, hein. Il a la voix grave. C'est mon alter ego, les gars. Pourquoi on veut rentrer au juste? Bonne nouvelle.
Ouais, pourquoi on va rentrer? Because this place might have some important information. There's a psycho. Un psychopathe en veut à la vie de Sonia. Oh, c'est Jarod. Notre chère Sonia est en danger. Ah, mais eux, ils aiment bien Sonia. C'est gentil de vous soucier d'elle. Vous êtes des fans? Putain, je dis quoi? Vous êtes des fans? You could say that. Yeah. Oh, le rire de con. Tu vas passer par le conduit d'aération. Je suis un peu claustro, mais vas-y, ça me va. My lucky lockpick to get in. It's lucky because I've never had to actually use it. Wesh! Nouvelle aptitude. Kit de crochetage. C'est bon ça, les gars! C'est ça, en fait. C'est les aptitudes qui servent à, par exemple, fouiller dans les poubelles et tout. Donc avec le kit de crochetage, on pourra peut-être faire des trucs. Cool. Okay, let's do this. Mais avant, t'as peut-être des questions. Maybe you'd like to ask us something first. Est-ce que j'ai des questions, des conseils pour la route? Vous savez comment quitter ce pays? Il y a beaucoup de flics sur la 96. Elle m'a dit qu'il y en avait beaucoup déjà, la flic. Vous savez comment Mitch quitter ce pays? Never do that. Petria's been good to us, making us thieves and all. But I heard smugglers can help. Des passeurs pouvaient filer un coup de pouce. J'en aurais bien besoin, ouais. Et si les brigades détruisaient le mur? J'espère voir gagner Flores avant. Eh les gars, moi depuis le début, je suis en mode révolutionnaire. Donc là, je continue. That sure be something. Yeah, something. Ça serait quelque chose, now, un sacré quelque chose. Oula. Oula là là. Little lady, come here. Il me fait peur. Wesh. Ah ok, c'est juste pour me faire monter. J'ai cru qu'il voulait me monter en l'air là. Ok, on va crocheter. Les gars, on participe à notre premier braco. Oh merde. Pose tes fesses devant les caméras et tiens-toi prête. Devant les caméras. Oh, je peux manger. Let's go. Bon les gars, là c'est un cambriolage. Donc autant qu'on mange hein. Faut que je fasse quoi sur les caméras? C'est quoi? Oh, je peux gratter? Oh, j'ai gagné! Oh, j'ai gagné 10$! Oh la dinguerie! Oui, je vous vois! Coucou! Tu vois un plan des bureaux? Attends, un plan des bureaux? Ah, là! Ok! Merde, attendez, je comprends pas très. Je comprends pas très bien là. Ils sont où? Cam room, c'est moi, je suis tout à gauche. Eux, ils sont à la réception, donc j'imagine la cam 2. Et faut qu'ils aillent où? Vous êtes dans le hall. Ils sont où? Cam 2? Ils sont dans la réception. La réception, c'est quoi les gars? C'est le hall? Ils sont ni dans le bureau, ni dans la réserve. Ah ok, ils sont de ma gueule. Allez, on s'active. Oh non. Il va falloir que je les guide bien là. C'est quoi ce bip? Est-ce que je peux l'arrêter? Merde! C'est où? Fais quelque chose! Merde! Je sais pas c'est quel bouton! Bouton vert! Oh, c'est le bouton rouge! Frérot, c'est le dernier bouton. Voilà, merci Mitch. Le Mitch, il est compréhensif. Compréhensif. Mais wesh, c'est quoi ce bordel? Le téléphone sonne. Décroche et garde ton sang-froid. Ok, on se fait passer pour la sécurité, les gars. Oui, bonjour. Non. Fausse alerte. Fausse alerte, tout va très bien. Qu'est-ce qui a déclenché l'alarme? Un chat. Je suis allé au WC sans la couper. Elle s'est déclenchée toute seule. Je suis allé au WC. Ah oui, ça arrive souvent. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il est venu dans mon studio déjà? De rien. Oh merde. What's happening, kid? I'm sorry. Did you say something? Oh merde.
What do you expect us to do? We're robbers, not wizards. Et je peux pas regarder à côté. Je pourrais avoir un indice, madame, mais c'est trop chelou de demander ça. No, I cannot. Vérifier le poste de réception. Yeah, whatever, kid. I'm waiting, ma'am. Oh, what is the password? Je suis mort là. Allez, dépêchez-vous, on est foutu. Hold on. There's a password yes here. Says A45D2RCPP12. Oh, je maybe sens que c'est tellement it pas ça. Merde. CPP12. G, je crois que c'est ça. A45. CPP12, c'est celui-là. Thank you for your time and take care. Oh, les bâtards, fallait le retenir. Oh les bâtards, j'ai failli perdre. Ok, c'est bon les gars. Oh, j'ai vraiment eu peur. Là, le bureau du directeur, la tuile. On dirait que la porte a un digicode. C'est quoi ça? Ask manager. Ils cherchent un code les gars, je peux peut-être les aider. Well, I'm fresh out of ideas. Kid, you're in the security room. Microbe, trouve le code. Il doit être quelque part dans le poste. Ah. Toujours pas. Mais c'est quoi ce code 2237, c'est quoi? 11 octobre, ok, je pense pas que ce soit ça. 17 septembre 1989, non. Ouah, il y a des codes partout. Take care. Je veux dire celui-là. Wrong. Merde. C'est le dessin de sa vie, 100%, 100%. Nope. Merde. Mais frérot, ça va sonner à un moment. Nope. Jamais de la vie, c'est 1986. Nope. Me dis pas que c'est le dernier. It worked. Le dernier, frère. Le dernier. C'est une blague, mais j'ai pas de chance. Je suis vraiment le pire cambrioleur. Hein. Microbe, tu vois ce que je vois? Je vois rien. Hold on, there's tape on the camera. There. We knew someone was obsessed with Sonia. On savait qu'un type était obsédé par Sonia, mais là c'est le pompon. C'est quoi? Le chauffeur Barjo qui lui colle au miche. Oh, oh merde! Ferme la porte! Oh merde! La boîte de sécurité a dû envoyer un agent. Oh! Lui donne pas microbe. On est à ça de trouver où sort du compte attaqué. Oh! Je donne pas le code. Je l'ai stan. Il va agir à la frontière, en haut de la colline. Vous avez découvert le lieu du meurtre. Oh, on sait à quel endroit Jarod il veut tuer. Oh merde. On se tire. Je peux pas me barrer. Il me faut la chaise. Merde. Oh la dé. Oh. Les bâtards. Wesh, ils m'ont laissé tout seul. Oh, je peux pas l'ouvrir. Vas-y, je pars en courant les gars, je crois. Hein. Longer la route. Ah mais non, c'est bon en fait. Ils sont plus là les flics. C'est peut-être trop dangereux de faire du stop là, non? Eh, je pars en courant, frère. Je pars en courant. Tant pis, les gars. Ça me prend 3 barres d'énergie, mais je pense que c'est le mieux à faire. Hein. Oh, les gars, donc j'ai réussi la mission. Et je sais où est-ce que Jarod, il va essayer de tuer Sonia. Parce que je rappelle, Jarod, Sonia lui a fait un truc, on sait pas trop exactement. Mais Jarod, il a envie de fumer Sonia. Et du coup, on sait qui veut la tuer en haut de la colline. Donc en fait ça va être à la toute fin je crois. Ça va être au niveau de la frontière hein. T'es trop fort. Mais j'ai l'impression que pour l'instant je gère les gars. Honnêtement si on doit faire un petit récap là.
À part la toute première mission où je me suis fait allumer par Jarod. Les musiques sont banger. Ouais, les musiques, elles sont vraiment cool. Hein. Attends. Michou, si on le sait. Si on le sait, c'est quoi alors? Michou, si on le sait, Sonia a fait du mal à la fille de Jarod. Il te l'a dit dans la première mission. Ouais, mais on sait pas exactement. En plus, on sait pas s'il ment, si c'est vrai. C'est toujours comme ça sur ces jeux. Tu gères et tout s'écroule d'un coup. Ah, les bâtards. J'aime pas ce que vous me dites là, le chat. Ça m'inquiète, ça m'inquiète. Ok, oh, j'ai perdu 3 barres là. Hein. C'est chaud. Donc les gars, en haut de cette colline, ça va être la D. J'ai marché avec mes chaussures. Ok. Bon. On continue à longer la route. N'empêche, Stan et Mitch, c'est des bons. Hein. C'est quoi ce bruit de fond? On a un bug qui interfère la connexion. C'est qui parle? Ah, mais c'est elle. C'est qui, Alex? Il y a des vaches. Alex? Attends, mais c'est un enfant. T'as 5 minutes, frangine. Et en échange? What happened to altruism for the sake of altruism? Oh, ça va! Tu parles au mec le plus généreux là! C'est bon, je te donnerai un petit quelque chose! Yes! J'ai réussi à gratter! C'est juste une autostoppeuse. Monsieur You? Mr. Ursus. He's a friend of mine. Monsieur Ursus, ok. Take this computer. Je prends cet ordi, je l'ai équipé d'un détecteur de métaux. Attends, mais Alex, c'est un petit hacker là. Wesh, on dirait une déesse! On dirait une DS mais avec un clavier d'ordinateur. J'ai jamais vu ça de ma vie. L'ordi d'Alex, il peut tout faire. Ok, top. Oh. Tu devrais trouver les clés pour ouvrir le boîtier et redémarrer la ligne. Mais les gars, Alex, c'est un gars ou une fille? C'est un mec, non? Ouais, c'est un mec. T'es encore là, pardon. Je dois aller où? Ah, je dois. Oh! Wesh! J'ai capté le signal! Canette rouillée. Ah merde. Ok, faut recommencer. Oh! 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 A crazy chase! Ok, j'ai trouvé une petite. J'ai trouvé une crazy. Une crazy cassette. Attends, mais c'est trop bien ça! La clé ne doit pas être loin du poteau. C'est quoi ça? Eh les gars, je vais continuer. Hein. C'est le meilleur jeu. Oh! Clé du boîtier téléphonique. C'est ça qu'il fallait que je trouve. Oh, j'ai trouvé des sous! J'ai trouvé 3 dollars! Je l'ai kiffé le détecteur de métaux. Ok, avec la clé, je fais quoi du coup? Attendez les gars, j'ai rien écouté là. J'étais trop excité. Qu'est-ce que t'attends? Faut que je fasse quoi là? Oh! Faut que je fasse quoi? Les gars, je dois faire quoi? Le poteau? Ah, faut que j'ouvre ça. Ok. Thanks, yo. Merci meuf. Tu m'entends maintenant? As I was gonna say, the fake emitters are all okay. In place. Should keep those pigs busy for a while. Thanks, Alex. Tu travailles pour les brigades? De quoi tu parles? I put up some fake radio emitters to help the brigades. Ah, mais c'est lui qui a installé les faux émetteurs radio. C'est quoi les brigades? Tain, les gars, là, si je le balance, je peux gagner 1000 dollars. Mais je suis pas une balance. Et ça les aide parce que c'est quoi les brigades? The supposed terrorist group. Who caused the attack in 86. I got it wrong, Alex. Wait, wait, my parents. Sorry, kid, now's not the time. We'll talk soon, okay? Promise. Don't hang up. Yo, press the button again. Okay. Too late. Trop tard, il est parti. Merde. Oh non, il a l'air trop triste.
Mais je crois qu'il cherche juste ses parents, Alex. Ou cave-le. Non, le pauvre. Il a l'air pas bien. Hein. Je vais aller le rassurer, les gars. Alex, mon pote. Ça va? I'm fine. Just a little frustrated. C'est la vie, Alex. Pourquoi frustré? Qu'est-ce que tu fais par ici? I'm looking for info on my bio parents. Oh, le pauvre. They died when I was young. In the attack in 86. But I haven't come up with much. Faut pas baisser les bras, mon gars. Thanks. My mom, I mean my adoptive mom, said I might not find out anything, but I didn't believe her. Elle est où ta mère adoptive? Elle sait que t'es sur la route? Yeah, she does. But that's really all she knows. Wesh, il a rappé, il a dit, yeah, she does. Non, non, she knows. On se met au sec dans la cabine. Allez, viens, Alex. Tu sais, mon gars, dans la vie, il y a des moments difficiles comme ça. Malheureusement, on peut pas y échapper. Mais c'est dans ces moments que tu dois être fort, Alex. Et c'est ça qui va te faire grandir. Ne baisse pas les bras, mon grand. Tu vas y arriver. Si tu y crois, tu vas y arriver. Tu devrais peut-être appeler ta mère. Vous parlez des fois? I don't know. Dis-lui que tu vas bien. C'est important, Alex. Elle doit s'inquiéter. Well, I guess you're right. Voilà, c'est bien. C'est bien, mon grand. Hein? Il y a deux minutes, tu m'appelais Frangine. Officer Fan. Oh. Hello? Alex? Is that you? Ah, mais sa mère, elle est flic. It's me. Is everything okay? What do I say? Je dis quoi? Oh non, il est tout triste. Ce qui te passe par la tête. Everything's fine. I just wanted to check in. Are you getting enough to eat? You are. Oh, c'est trop mignon. And you can come back whenever you want. You know that. Réponds que tu manges bien. Dis-lui que t'es pas encore prêt. Je suis pas sûr qu'il mange vraiment bien là. T'inquiète, dis-lui que tout va bien. I'm getting enough to eat. Thanks. I hope you find what you're looking for. I miss you, Alex. Dis-lui qu'elle te manque aussi. Demande-lui comment elle va. Ne dis rien. And how are you? Oh, hang it in there. You know me. Look, I should go. Oh. Already? T'as, il a des couilles le petit hein. Dis-lui que tu la rappelles bientôt. Dis-lui de pas te chercher. Dis-lui que tu la rappelles bientôt. I promise. I love you. Bye. Bye baby. C'est bien Alex. Come on. Tu grandis. It's cramped in here. I feel better now. Thanks for encouraging me to call. Une astuce pour passer la frontière, des conseils pour la route, une idée de comment sortir d'ici. Ça me tue, à chaque fois je peux toujours gratter des petites infos. Putain les gars, c'était petite scène un petit peu triste pour Alex. Ça a l'air d'être un bon Alex hein. Une astuce pour passer la frontière, des conseils pour la route, une idée de comment sortir d'ici. Une astuce. I don't wanna escape myself. Putain, mais à chaque fois que je dis ça, je connais un gars qui connaît une meuf qui est passée par un genre de tunnel. Oh, bonne information ça. Si ça peut faire bouger les choses, Flores démontera le mur si elle gagne. Je fuirai par les égouts s'il le faut. J'avoue, un peu de changement, ça ferait du bien, beaucoup de bien. Eh les gars, moi je suis en mode full révolution. By the way, there's a cereal bar in my bag if you want. You look hungry. Oh, and I can call you a taxi too. I hacked into. Mais wesh, j'ai piraté les taxis joyeux. Du coup, j'ai des bons pour voyager gratos.
Mais non, mais c'est trop un bon. Mais Alex, mais épouse-moi, Alex. Bonne chance sur la route, frangine. J'espère que... Attends, mais quoi que non. Les gars, il est mineur, j'ai rien dit. Stop. C'était une blague. Quand je dis épouse-moi, c'est une façon de parler, les gars. C'est normal, quoi. Hein, le chat. Bonne chance à toi aussi, mon gars. Allez, Alex. Les gars, Alex, je l'ai kiffé, hein. Alex et Zoé, vraiment, mes coups de cœur du jeu. Il y a une belle histoire dans le jeu, j'aime bien. J'ai envie de comprendre l'histoire. On avance bien encore, hein. 662 km. Mine de rien, on commence à se rapprocher, là, hein. Mais c'est bizarre parce que les personnages, 23%, 18%, 16% et tout, c'est pas grand chose. Oh, Walk the Dinosaur. Et du coup, je suis dans le taxi. Attends, mais... Le taxi, les gars. Vous reconnaissez cette mâchoire? La clope? Vous reconnaissez la clope? La clope au bec? Non. C'est Jarold le taxi? Oh la dé! C'est vraiment Jarold le taxi? Oh, j'aurais dû marcher. Oh, mais j'ai trouvé 3 pièces. Oh la dé! Lire. Vous êtes plutôt chat, chien ou dino? Pourquoi il y a que des trucs sur les dinosaures? Oh, c'est Jarold. You know that I have some anger management issues. Now you know. Wow, il est terrifiant, gros. Where are we headed today with Happy Taxi? Où est-ce que les taxis joyeux vont bien pouvoir t'emmener aujourd'hui? Ah, je panique. Il m'a déjà tué une fois, Jarold. Je peux pas sortir du taxi, chef. Les gars, faut faire genre. En vrai, il a pas de raison de s'énerver. J'ai pas de raison d'avoir peur. Bah j'ai envie d'aller vers la frontière. Oh. Sorry. Quoi? What I mean is the customer is always king. We sell scratch tickets. On vend des tickets à gratter si tu te sens en veine. Oh, est-ce que je prends un ticket à gratter? Non les gars. Non merci. Oh. OK. Now, je veux pas de ça moi. Enjoy your ride with Happy Taxi. Ouah, wow, moderne, c'était quoi ça? Let's see who's contacting me now. The Sonya Show. How did they get this number? Oh la dé. Just a second. Oh la dé. Il va me démonter. Bah, je crois que j'entends un peu quand même, hein. Les gars, j'ai pas pris le ticket à gratter, ça sert à rien. J'aurais payé 4 balles, j'aurais rien gagné. J'ai déjà gagné une fois, j'ai eu de la chance. I'm feeling much better now. Bah ça va. Ask me a question if you want to. Ça va, il a réussi à faire passer sa colère. Je me connais dans bien des domaines. Ok. Frérot, il est... Écoute-moi bien, il est terrifiant. Vous emmenez des ados au mur des fois? Vous croyez au karma? Est-ce que tu... Ça fait 2 fois qu'il y a la question, vous croyez au karma, je vais lui poser. What goes around comes around. I know that. Ah, donc il croit au karma. Hein. Le karma de Tirac doit pas être top. D'accord, merci pour l'info. Putain, qu'est-ce que je fais là? Je vais rien dire. Ah, le chat, vous m'avez dit de mettre 2. Ah oui? Tu aimes les dinosaures? Je comprendrais que ça ne soit pas le cas. En vrai, moi j'aime bien. Hein. Moi j'ai juré, j'aime bien les dinosaures. Hein. Speaking of dinos, have you seen this movie that came out? Tu as vu ce film qui vient de sortir là? Mesozoic Park? J'ai le droit de dire non.
Je l'ai pas vu, les gars. Il va me poser. En fait, si je dis oui, après, il va me poser une question par rapport au film et j'aurai pas la réponse. Ça va l'énerver. Donc, non. Okay. Je vais pas m'énerver, promis. Upset. Non, mais si, je l'ai vu. Oh, le mensonge. What? Wesh! Mais j'ai le droit de pas le voir. Oh, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Ha ha ha! Ha ha ha! Très marrant. On est bientôt arrivé. Allez, on va le laisser flop, hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Lean forward. Avance-toi, je veux te montrer quelque chose. Oh non, frère, ça me terrifie. Oh non. Je vais me pencher, il va fermer la fenêtre. Ouais, je vais me pencher. De toute façon, si je me penche pas, ça va juste l'énerver. Oh. When GP comes out on VHS in Petria, I'll watch it every day. Ok, c'est stylé. Très beau magnéto. My daughter would have loved Gigantic Park. Oh non, il parle de sa fille, les gars. Ça se voit, il est vrai, il est très très triste. D'accord, Auré. Non, on va pas lui poser la question. But she passed away. Well. Bad things happen sometimes, but I'll make it right. Je peux pas me reculer là. J'en ai marre d'être penché. Rectifier. And in the meantime, I won't think about that terrible thing that happened to her. Les gars, j'essaie de pas l'énerver. I'd become very angry if I did. Now, you should take a snooze. You're a teen, and your brain is still developing. C'est un bon. En fait, là, il me protège. Parce que comme je suis une adolescente, il me protège. Il est en mode, tu sais, il a perdu sa petite fille et tout. Je pense que il doit être tellement touché qu'il veut juste être gentil avec moi. Et bah, allez. On va se reposer un petit peu. Oh là là, c'est magnifique. J'ai récupéré toutes mes barres. Par contre, c'est quoi les deux barres qu'il y a en plus là? J'ai l'impression que je peux pas les avoir, mais je sais pas pourquoi. Vous savez quoi? J'ai l'impression que Jarod, je commence à bien l'aimer. En fait, je pense, les gars, que il a juste été traumatisé par ce qui est arrivé à sa fille. Et il est devenu fou parce qu'il a envie de la venger coûte que coûte. Oh merde. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Engine trouble. Happens a lot. On est tombé en panne. Mais moi, je pense qu'il a pas un mauvais fond, Jarod. Je peux que me pencher. Non, non, il touche pas, frère. Oh merde. Regardez la VHS. Non, 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 non. Oh, Jarod a caché cette VHS dans son taxi. Il a regardé. Un film à base de vengeance et d'ananas. C'est quoi ce film de con là? Sorry about that. Oh, j'ai tellement bien fait. Oh, j'ai tellement bien fait de rien jouer. Oh, il m'aurait enculé. Oh, il m'aurait enculé, les gars. Heureusement, j'ai rien fait. Hein. We've almost reached your destination. On est presque arrivé. J'espère qu'on te reverra à bord des taxis joyeux. Je sais pas trop. Bon, j'ai pas le choix, les gars. Allez là! Oh, nouvelle aptitude! Intelligence! Voilà! Ça, c'est une aptitude qui me représente, ça, les gars! L'intelligence! Je sais qu'il y en a beaucoup qui doutent. Mais vous voyez? Le jeu ne ment pas, lui. Le jeu ne ment pas. Oh, c'est beau ça. Pas sûr. Ah ouais, c'est ça, les gars. Oh. Wesh. 9 km. Attendez, on a fini là. Mais les gars, j'ai speedrun le jeu, hein. Je suis monstrueux. Je suis monstrueux, les gars. Thank you.
Qu'est-ce qui se passe là? On est bientôt arrivé à atteindre la route 96 pour la première fois. En fait, j'ai l'impression que c'est un jeu qui se joue... Ouais, le jeu peut être refait plein de fois avec des milliers d'histoires différentes. En fait, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est incroyable, hein. Ok. On va monter. Ça veut dire que là, en fait, avec... même si vous avez déjà regardé d'autres streamers ou quoi sur le jeu, il y a sûrement des chances pour que vous découvriez quand même des trucs. Ok, je peux pas aller là. Frérot, plus que 9 km. Vous vous rappelez, Alex, il avait dit qu'il y avait un tunnel pour sortir de la frontière. Faut peut-être que je trouve ça, hein. Pourquoi mon personnage, il est fatigué comme ça? Descendre. Oh merde. Ok. Frérot, heureusement, on n'est pas de nuit. Hein. J'ai juré que là, de nuit, comme ça, dans la forêt, je me chierais dessus. En plus, j'ai encore beaucoup d'énergie, j'ai des sous. En vrai, je suis bien. Hein. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est quoi ça? Jouer, s'asseoir. Allez les gars. Est-ce qu'on se mettrait pas bien là? Allez. Un petit Alex on the road. On s'assoit. Est-ce qu'on est pas bien là les gars? Oh. On respire l'air frais, l'air pur. On est bon là. Wesh. Attendez les gars. Inox. Oh Inox. Oh mais redescends là, à quoi tu joues? Oh. Mes frères, arrête. Putain, les gars. Elle est trop bête. Il est trop bête. Allez, on va s'en aller là. On se taille. Flop, comment ça flop? Mais arrêtez, je vais enlever l'emote flop, c'est bon. Le chat. Avouez, c'est mieux que j'enlève l'emote flop, non? L'emote flop, non? Faut aller où là? Il est où le bon chemin? Et merde. Faut aller où, frère? Ah, faut aller là-bas? Oh, le bruit du perso quand il court, c'est inquiétant. Pas très rapide mon perso en vrai. Hein. J'ai vu une action ou j'ai rêvé? Ah, j'ai rêvé. Oh. À gauche ou tout droit? Je peux pas aller là-bas, je pense. Ah si. Les gars, là-bas, ça a l'air d'être une sortie quand même. Hein. Vous savez quoi? Je vais aller tout droit juste pour voir. Y'a rien en vrai. Ah mais y'a rien en fait, c'est juste un autre chemin. Ok, c'est juste un autre chemin les gars, la sortie elle est là-bas. Oh bordel, c'est sombre. Eh, y'a des... Y'a un campement et tout là-bas. Je vais pas trop traîner ici les gars, on sait jamais. Oh. Ok. Ça me dit d'aller là-haut. Mais attendez, mais là je vais faire les 9 km à pied, c'est quoi les bails? Merci les gars, tous ceux qui sub et tout. Bienvenue les frérots. Longer la route. Je peux faire autre chose? Ah, je peux peut-être aller faire du stop.
Non, je pense pas. Ouais, non, je peux pas. Bah, allez, on va longer la route, hein. En vrai, les gars, autant finir à pied. Il reste 9 km là. C'est plus moi qui joue. Oh! 0 km vers la frontière. Ok. Est-ce qu'on va être de nuit là du coup? Et je pense que si ça se trouve, il va y avoir Jarod et Sonia, non? Parce qu'on sait que. À la frontière en haut de la colline, Jarod. Enfin, il y a un crime qui se prépare en tout cas. Je pense que c'est Jarod qui veut fumer Sonia. Ok, je continue à monter. Mais attendez, mais c'est pas déjà fini, les gars. Mais j'ai speedrun le jeu. De ce que j'avais vu, c'est un jeu qui se termine en genre 6-7 heures. Ça fait 2 heures que je joue. Oh. Snacks, boissons. Je peux faire quelque chose pour vous? Oh, cochon du bonheur. Oh, j'ai envie de mettre. Juste par superstition, les gars. Y'a quoi la TV? Comment je fais pour traverser? Alors, c'est votre stand? Vous pensez quoi de l'élection? J'espère qu'elle se passera dans les règles. Mais j'ai un gros doute. Ils ont tout un tas de techniques pour fausser les résultats. Et sans parler de l'intimidation au vote. Ok, donc lui, je pense que c'est un mec. Si j'essaye de me barrer, il va pas me balancer. Wesh, Théma, je peux aller à plein d'endroits. Je pense que là, faut bien que je choisisse, hein. Est-ce que je prendrais pas une petite boisson? Y'a quoi à la TV? Séquence d'éboulement? C'est ici? Just proof that the government had explosives rigged on the mountain. Mais non. Ah mais il y avait Sonia. Ah mais il y avait Sonia. Mais c'est le gars qui a essayé de la tuer, non? Allez, hé les gars, on est arrivé à la frontière pour ma nouvelle vie. Oh, j'ai un mot. Merci et bonne chance, Gruik. Allez, pour ma nouvelle vie, les gars. En vrai, j'ai des sous. J'hésite à prendre une petite canette. Ouais, ça sert à rien, les gars. Honnêtement, j'ai plein d'énergie. Pas besoin. Là-bas, sachant qu'il y a eu un éboulement, faut peut-être pas aller là-bas, les gars. C'est peut-être dangereux. Oh, crocheter. C'est vrai que je peux crocheter, moi. Forcer. Ok, ça m'utilise deux. Crocheter. Je crois que je vais rentrer dans un camion, hein. Ah, c'est peut-être dangereux. Oh! Si je vais là-bas, je suis mort, non? Ouais, si je vais là-bas, je suis mort. Faut surtout pas que j'aille là-bas. Je fais quoi, les gars? Camion ou pas? En fait, soit je rentre dans le camion, mais c'est risqué. Soit j'essaye de longer la montagne. Fais camion. Camion? Pas besoin de forcer, les gars, je vais crocheter. Attends, parce que lui, ça va être le premier qu'ils vont regarder. J'ai peur qu'il regarde tout l'intérieur. Allez, c'est pas grave. Oh, ok, c'est parti. Les gars, j'ai choisi le camion. Et du coup, c'est une des multiples fins, j'imagine. Oh la dé. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas me cacher? Se cacher derrière. Les gars, j'ai pris aucun risque. Hein. Je me suis caché direct. Oh merde. 100%, ils vont ouvrir. Je peux pas me cacher à d'autres endroits.
Je cache personne, si tu savais mon frérot. Attends, mais il y a une trappe. C'est inquiétant le fait qu'il y ait une trappe. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Jeter un biscuit. Oh merde. Non, il fallait que j'achète un truc. Non, fallait que j'achète un truc, sa mère. Je peux rien faire. What is it, girl? Oh! Oh la chatte! Oh! Mais wesh, je suis sous le camtar! Faut que je remonte. Oh, 100% il va regarder. Scanner de respiration! Merde les gars, je retiens depuis trop longtemps. Oh, attendez, je vais que... Non. You've been arrested. No one said it would be easy to reach the border, let alone cross it. Mais pas comme ça! Non! C'est fini là? Oh la pire fin ever! Oh! Oh la fin flopesque! But for one journey that ends, others are only beginning. Oh la fin flopesque. Il restait 5 secondes. Mais les gars, en fait, je savais qu'il fallait que je continue à pas respirer. Mais là, le problème, c'est que si je continue à respirer, j'allais mourir. Vous avez vu mes barres? J'avais plus de barres. Si je continue à pas respirer, j'allais mourir. Oh, j'ai trop la haine. Frère, j'avais gagné. J'avais gagné. En fait, j'ai commencé à retenir ma respiration trop tôt. Parce que j'ai vu maintenir machin pour retenir votre respiration. Du coup, je l'ai fait. Et sauf que le chrono, il s'est lancé genre 5-6 secondes après. Fallait que t'achètes un biscuit. Les gars, juste... Si j'avais acheté un truc, genre un biscuit ou une canette ou quoi, c'était bon, frère. Je l'aurais mangé, j'aurais eu plus de vie et j'aurais pu retenir ma respiration. Ton argent, le flop de fou. J'ai gardé de l'argent toute l'aventure pour au final ne jamais l'utiliser. Et là, c'est quoi du coup? Ah, il y a un nouvel épisode, épisode 3. Mais attendez, je comprends pas. Regardez. Là, on a la barre. Donc, épisode 1, je suis mort. Épisode 2, j'ai été arrêté. Il y a d'autres épisodes jusqu'au jour de l'élection. Du coup, j'ai débloqué le crochetage et l'intelligence. Putain, les gars. Attends, quoi? Mais attendez, mais les gars, mais... Je vais péter un plomb. Il y a une compétence, Omen Vitality. Vous avez davantage d'énergie, une recette de Papa Ours. Hein? Les gars, vous pensez à ce que je pense là? Comment ça, Papa Ours? Non mais les gars, c'est quoi ce bordel là? C'est qui Papa Ours? Je veux pas sa recette moi. La recette de Papa Ours, ça va aller, les gars. Putain, bah j'ai le seum, hein. Je pense, nous, les refs, qu'on va s'arrêter là.
En vrai, le jeu est incroyable. Mais il y a un épisode 3, je sais pas. Est-ce que c'est une suite, les gars, l'épisode 3, ou c'est une revanche? Après, j'ai vu, il y avait d'autres personnages et tout. Je pense que on a encore pas mal de choses à découvrir. Hein. Oh, j'ai trop la haine, la pure faim, frère. La pure faim. C'est des suites. C'est pas fini, c'est la suite, c'est une suite. C'est la suite. Ok, d'accord. Et bah, les amis, je pense que on se retrouvera peut-être un peu plus tard, un autre jour ou quoi, pour l'épisode 3. Peut-être demain, hein. En vrai, si vous êtes chaud, les gars, ça vous dit demain? Putain, j'ai trop le seum. Les gars, j'ai trop le seum. Je me suis fait choper, mais comme un con. La pire fin. Tout le stream, tout allait bien, etc. pour cette fin. Je suis dépité, je vous jure, les gars, dans le chat, je suis désolé, les refs. Ça veut dire que vous avez regardé, vous avez passé toute votre soirée là à regarder, à kiffer et tout, pour qu'au final ça floppe comme ça à la fin. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, le chat. En tout cas, sachez que j'ai fait de mon mieux. Et vas-y, bah, on se retrouvera demain. Demain soir, les frérots, on fait la suite de l'aventure. Prochain live demain. Demain soir, 20h, je pense. Demain, 20h, suite de l'aventure. On va faire l'épisode 3. Et cette fois-ci, les gars, cette fois-ci, je ne veux pas flopper. Je vous le dis, cette fois-ci, je vais jouer comme il faut. En tout cas, je suis quand même content. Parce que même si je me suis attrapé, les gars, j'ai bien joué. J'ai mis personne dans la merde. J'ai joué avec mes valeurs, les gars. J'ai essayé de défendre à fond le mieux que je pouvais mon parti. J'ai réussi à sauver un gars qui a failli se faire arrêter par les keufs. J'ai aidé des gens. Enfin voilà, j'ai mis personne dans la merde. Donc je suis quand même content de mon gameplay. Putain, j'ai le seum parce que j'aurais vraiment pu gagner en plus. J'ai trop le seum. Yuki, elle écoute. Ouais, Yuki, elle est là, hein. Les gars, là, de toute façon, elle a compris. Dès que j'ai dit, bon, les gars, on va s'arrêter là, machin. Yuki, elle était en mode, ah, c'est bon, ça va être le moment d'aller se promener, là. T'as quand même cambriolé, MDR. C'est vrai que j'ai cambriolé, mais ça, j'ai l'impression que je pouvais pas trop y échapper. Bon, ça va, j'ai cambriolé, ça va. J'ai pas cambriolé grand-chose, en vrai. On a juste récupéré des informations. On n'a rien cassé. Une vie de bandit après, normal. Bah ouais, c'est vrai, ça. Ça va, Simon? Ça te dit quoi? Ça fait plaisir que tu sois sur le live. Vitrual, merci pour ton sub, mon frérot. Bon, les amis, plein de bisous. On se dit à bientôt. À demain. Demain, 20h, les amis. Nouveau live, on continue Road 96. Peut-être on fera un autre jeu ou quoi, on verra demain. Mais je pense qu'on va continuer. Parce qu'en vrai, j'ai bien envie de continuer. Le jeu est vraiment cool. Donc des gros bisous et à demain, les gars. Bonne soirée, bonne nuit.